en pile vraiment là, en pile haïtien. Son pays au moins soit haïtien on fois dans vie ou tendez parler du Canada, ou tendez on fois que ou dit qui ça Canada. Et ben je dis à m'bral parler du Canada. Donc je dis à côté Canada donc a joué dans cadre compétition ça. Donc tout profiter du prétexte ça pour m'gafo visiter Canada. Alors Canada son pays en pile nan nous connaît. Son pays tout en pile haïtien renmen. Son pays tout en pile moun sous la terre généralement quelconque. Pour préciser, remet à le gonne qui zib Fernando qui l'a fongé au foot Haïti. Non, 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 non. Ma chita kounia pour m'dando kap fongé au foot Haïti. Oui, oui, bah, ma bon Canada kounia ou bon Haïti ya. Ok? Oui, oui. Alors, pays ya, c'est Canada. Canada, c'est yon royaume. Capital là, c'est Ottawa. Canada qui divise en un certain nombre de provinces. Mkwè c'est 10 provinces. Donc, nous allons visiter avec ou là. Canada, nous allons forwe. Qui ça qui Canada? Donc, pour capable faire connaissance avec pays ça, le Canada. Ah oui, Zamiri, mes réponses moyennes, Zamiri, mes réponses moyennes. Alors, le Canada, c'est drapeau ça, un drapeau qui est assez connu à travers le monde et un drapeau que moun remet. Alors, Canada, il y a plus moun remet que les États-Unis pour me dire la vérité. Ça qui passe, Canada, pas jamais remet par les fonds dans le bagay moun. Yo parle, oui, yo là en bas, en bas. Oui, yo là en bas, en bas. Si m'de wè 11 ans, m'dap di Canadien ou sous noir, oui, oui. Et bien, Canada, son drapeau assez connu, rouge et blanc. Donc, tout le monde capable de remarquer assez facilement parce que drapeau a assez connu. M'a parlé là de un royaume. Royaume, c'est-à-dire son monarchie. Une monarchie, donc son roi ou bien son reine cap dirige. Ou ça m'dou là? Par exemple, alors Jovenel Moïse mouri lui-même, pas qu'après un exemple et pour Haïti, mais et, en règle normale. C'est-à-dire, Kounia là, t'as supposé que président en Haïti. Donc Haïti gon régime présidentiel alors pas non c'est semi-présidentiel parce que premier ministre là gagne en pile pouvoir. Alors c'est un cas particulier l'an mort président Jovenel Moïse qui fait nous pas gagner un président en fonction. But généralement quelconque Haïti donc son régime présidentiel alors yo dit le semi-présidentiel parce que régime n'a le président le premier ministre. Gagne l'autre pays par exemple les États-Unis son régime présidentiel strict. Donc, président, c'est le gain pouvoir, c'est le président qui a dirigé l'action gouvernementale là. En Haïti, il dit semi-présidentiel parce que le premier ministre a pile en pouvoir, même si le président toujours a nommé en pile directeur général qui est même pour le mettre dans la politique là toujours. Ok. Donc, pour Canada, lui-même n'a pas parlé là de monarchie. Donc, son monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire, c'est pas comme si son droit divin n'est pas appliqué, ou a fait salver les salves vite. Non, non. Ou a son pouvoir donc uniquement presque protocolaire. Donc, on a parlé là de monarchie. Monarchie a donc son roi ou bien reine qui a dirigé. Donc, nous allons voir devant c'est reine Elisabeth II. Reine Elisabeth II, c'est reine d'Angleterre là. Donc, il n'est pas présent en Amérique. Donc, il y a Mouni qui représente. Le Souven Salam, c'est Mary Simon, Marie Simon qui représente. Donc, c'est comme ça, lié généralement quelconque. Et c'est premier ministre là. En l'occurrence, pour le Canada actuellement, c'est Justin Trudeau. Donc, c'est Justin Trudeau qui a dirigé. PIA, c'est lui-même qui a dit, mon cher, fait X, fait Y, fait Z pour qu'il soit un tel bagage. Alors, Canada, tout son province, donc pouvoir séparé, et pouvoir fédéral là, Justin Trudeau vient pouvoir parler, mais les qui Québec là, ils bossent la Kaeli. Nous, c'est grand Simon, donc nous, bien temps comprendre, les qui Ontario, ils ont tijan bossent la Kaeli tout. Ça veut dire pouvoir yo, gagner au niveau provincial, non pouvoir yo. Donc, on allait le Canada. Alors, le Canada, c'est image n'a regardé là donc ces territoires ça un gros gros tonton territoire c'est ça n'ta carré un mastodonte donc le Canada qui voisin États-Unis de bord et qui ont petit gens tout voisin Danemark parce que Groenland pas tellement loin ni Groenland pas tellement loin ni donc Canada qui voisin États-Unis de bord voilà donc ça c'est carte géographique Canada Canada qui c'est deuxième pays qui plus gros qui gagne sous la terre Canada donc c'est deuxième pays qui pi gros qui gagne sous la terre bon seul pays qui a plus territoire parce que c'est la Russie c'est fédération de Russie ça dit Canada presque lui même rive à 10 millions ça dit Canada presque rive avec 10 millions de kilomètres carrés Canada c'est 9,984,670 kilomètres carrés alors la Russie presque a fait deux fois le tout faut me préciser parce que la Russie lui même c'est plus de 17 millions de kilomètres carrés je parle de la fédération de Russie qui pas tellement loin Canada en l'air dans pour l'or là tout. Ok. Donc, Canada, c'est un royaume.
c'est-à-dire son monarchie, son roi qui a dirigé ou bien reine, en l'occurrence qu'on y a son reine, mais très bientôt ça va être un roi. Parce que dans le monde qui est en ligne succession, pour trop non, pas gagner une fille qui est bien placée. Donc, le monde qui est bien placé, yo, c'est Papa Harris, donc c'est Prince Charles, et petit Prince Charles, et petit Prince Charles, donc trois garçons qui sont en ligne, qui succession, qui pour succéder avec Madame Sa Nouella, qui c'est Sa Majesté, la Reine Elisabeth II. Elisabeth II, qui c'est donc chef d'État pays Canada. C'est-à-dire, c'est lui chef d'État. Par exemple, en Haïti, avant l'amour Jovenel Moïse, donc c'est Jovenel Moïse qui est chef d'État. C'est-à-dire, président. Alors, chef d'État, qui a plusieurs titres, il y a un duc, il y a un prince sérénissime, il y a un roi, il y a un reine, il y a un président. Alors, ça a gagné. Vous comprenez, Abdoula, donc c'est le système qui a dit, mon cher, mais qui titre l'a gagné, mais en l'occurrence, c'est lui chef d'État. Donc, Jovenel Moïse, c'était président. Il était chef d'État. Et bien, reine Elisabeth II, c'est reine, le chef d'État. Roi Salman en Arabie Saoudite, c'est roi, le chef d'État. Duc cap dirige Luxembourg, là, c'est un duc. Donc, la dirige un grand duché, lui, c'est chef d'État. Prince sérénissime qui a dirigé Monaco, donc son principauté, pays a donc son principauté, donc son prince cap dirige, mais lui, c'est chef d'État. Nous prenons cela. Donc, il c'est chef d'État qui a le titre roi, reine, prince, duc. Ça va dépendre de qui ça l'a dirigé, ya, donc il est chef d'État. Mais son Jibril Bombanouan, chef d'État, c'est vrai, il est chef d'État, mais pouvoir le gagner, c'est un pouvoir protocolaire. C'est-à-dire c'est pas lui-même qui a dirigé l'action gouvernement réellement. Le monde qui a dirigé au Canada, c'est alors le conseil qui était Babli Poussé, c'est Justin Trudeau. Justin Trudeau, c'est lui-même qui est premier ministre pays Canada, là c'est avec les voisins Donald Trump. Alors, à l'époque, l'image ça dépend, donc c'est Donald Trump qui était probablement président des États-Unis. Alors, comme Ren Navala, Ren Nanomo, gouverneur général là pour Canada, c'est Mary Simon, et bien Mary Simon, ou bien j'ai osé la Marie Simon, et bien c'est Marie Simon, c'est lui-même qui a joué le gouverneur général là, donc représentant Ren Nan. Là c'est Justin Trudeau, donc qui est en réunion avec d'autres responsables européen. Donc Justin Trudeau, c'est lui-même tout qui a dirigé donc action gouvernementale là, c'est lui-même qui est ministre affaires étrangères là, passé ministre affaires étrangères l'autre. Est-ce qu'on doit reconnaître tel gouvernement en Haïti, tel gouvernement au Sénégal, tel gouvernement au Cameroun, c'est lui-même qui connaît qui l'a cavine Canada pour ça. Oui, les gens ont décidé leur frontière. Et de fait, l'été leur frontière là, où est qui va les difficultés t'a gagné pour sortir États-Unis, sous pas gain on urgence après venant même pour aller Canada. Oui, parce que c'est lui justement qui chef. Là, c'est dans le sommet G7. G7 que vous dit qui réunit 7 pays qui sont industrialisés. Alors, on dit Yodi, parce que c'est pas vrai. C'est ancien bossier. Alors là, lui-même, c'est Justin Trudeau avec on l'autre monde que Elisabeth a dirigé la Kaïtou. Là, c'est avec Boris Johnson. Boris Johnson, c'est premier ministre britannique. Là. La reine d'Angleterre, donc c'est reine qui a dirigé United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. C'est-à-dire le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, eh bien, c'est même chef d'État, tous les deux pays, ça a gagné. Alors, bien non, c'est deux pays indépendants. Canada, c'est un pays indépendant. Royaume-Uni, c'est un pays indépendant. Ce n'est pas un seul pays allié, non? Non. Yo, chaque, c'est un pays. C'est-à-dire le Canada est un pays indépendant, le Royaume-Uni, c'est un pays indépendant. Il se trouve que chef d'État qui a dirigé, yoa, c'est chef d'État qui a dirigé plus pays bien sous la terre. C'est-à-dire, reine d'Angleterre, là, c'est lui-même qui reine de la Jamaïque. Mais la Jamaïque, c'est encore un État indépendant. Donc, reine Elisabeth II a dirigé plus pays que tout le monde net sous la terre. OK. Donc, on continue avec précision. Il était important pour me faire précision. Ça y est. OK. Donc, là, c'est toujours. Et Justin Trudeau. Donc, nous, là, et qui a fait diplomatie, qu'on dit, mon qui a recevoir l'autre premier ministre. Là, c'est Kouassi, la recevoir. Donc, c'est dans ce cadre sommet Union européenne. Que gagne avec pays Canada. Alors, Union européenne qui s'est alliée Canada. OK. Alors, là, parler de Canada, l'important pour nous préciser pour vous, on va parler là tout d'un gros tonton puissance économique. Puissance économique, là, il y a avec les États-Unis. Parce qu'on va avoir un paquet d'enchevritement gagne, un paquet d'alliance qui gagne, qui fait Canada bénéficier en pile de l'États-Unis. Alors, les États-Unis bénéficient en pile de l'État. Mais généralement, Canada a un gros marché intérieur là. C'est-à-dire c'est États-Unis qui gagne gros tonton marché intérieur là. C'est-à-dire États-Unis sont gros tonton client lié pour le Canada et le Canada sont gros tonton producteur lié dans paquet de domaines.
Alors, on a Canada fait un pile gaz. Canada fait un pile pétrole. Alors, on a tellement que tout besoin ça yo, parce que y a quelques autres zones, il y a un pile vieux lac, vieux de l'eau, vieux rivière, et bien pour faire énergie hydroélectrique. Donc, Canada, son pays lui-même, il a besoin d'énergie dans le monde. Et même vieux bois, il y a braché dans le rage, vieux bois, ça y a le yo pour faire comme tout dans le pays Canada. Ok, ça est parti énergie. Canada, son grande puissance énergétique, son gros gros tonton producteur d'énergie. Canada, nous allons le trouver même, gagne qualité ça, yo bon pile, yo moins que 38 millions en fait, mais yo produit manger, et yo produit en pile manger. Canada, c'est un plus gros producteur manger gagne sous la terre. Canada, tout fait en pile viande bovine, en pile viande bœuf. Canada tout fait en pile lait. Il est canadien, il est réputé en pile pour raison très simple, on d'accord avec moi. L'ob boue lait qui sorti Canada avec lait qui sorti Haïti, ou fait mes jours dans pas Canada que dans pas Haïti, parce qu'on connaît Canada a respecté plus règles, ou qu'on est Canada a respecté plus règles pour le capable fait lait pas là. Canada son gros gros tonton producteur céréal. En plus de l'autre richesse que bon Dieu bay Canada, l'on a presque 10 millions de kilomètres carrés, bon Dieu a mis de bay la den pour passer le bacaré de vide. C'est vous ou c'est neige ou mais l'on font si gratter neige la zamam, gampil si bay la den. M'de n'a pas ou le pétrole gaz, mais m'ka font si déposer sa zamam. Canada gen diamant, Canada gen nickel, Canada gen aluminium. Et même zone où ou pas gampil bagay pou fè manger yo, mais zone sa yo zamam, région sa yo, yo pas tellement loin mine. Donc Canada son pays m'ta ka di en dans le vrai sens du terme bon Dieu béni Canada. Bon Dieu béni Canada. Alors langue officielle yo c'est anglais et français, français a qui parle plus dans zone Québec. L'autre province anglais a extrêmement majoritaire. Alors premier ministre canadien yo, alors et Stephen Harper m'konn la m'a monter dans français a, mais généralement premier ministre canadien moi yo techniquement très bilingue. Alors pour grande ville Canada ou en pile là nous contendé yo, nous t'en dit Toronto. Oui, Toronto nous t'en dit souvent, nous t'en dit Montréal souvent, nous t'en dit Vancouver, Ottawa, Laval. Laval côté gon paquet haïtien qui a étudié là. OK. Alors gon gros université qui là. Donc en parlant du Canada, Canada son gros gros tonton économie. Au-delà de ressources ça on parler nous hein, et ben Canada gagne un paquet gros gros tonton compagnie. Qui au même c'est des mastodontes qui ont à l'échelle mondiale dans le domaine paysan. C'est-à-dire c'est gros gros droit. Et puis Canada ou pas forcément te connais si au canadien. Tellement économie Canada avec économie les États-Unis liés ou pas forcément connais si c'est pour Canada ou bien c'est pour États-Unis liés. Ça passe Canada n'a un accord avec les États-Unis que aurait les NAFTA que alors à quoi atterrir NAFTA. Kounia à quoi les Canada États-Unis Mexique. NAFTA c'est North American Free Trade Agreement. C'est-à-dire accord de libre-échange nord-américain qui te réunit le Canada, les États-Unis, le gros morceau et le Mexique. Alors le Mexique plus gros morceau que le Canada, vous voulez nous comprendre ça, le Mexique gagne plus. Alors en termes de territoire, non, le Mexique gagne plus monde de loin que le Canada. Et bien ça crie, gagne le produit où tu as besoin de faire. Si bah, elle n'est pas tellement compliqué, ou quand tu fais le Mexique. Mais pas oublier le niveau d'éducation gagne Canada, c'est le niveau d'éducation qui gagne au Mexique. On moun qui habite mais qui habite Mexique on gadou ça OK mais ça qui passé donc gon paquet entreprises notamment dans domaine automobile notamment dans domaine aviation notamment dans domaine construction mais qui a visé marché américain hein? Comme yo konnen espace de libre échange là c'est un espace koto kal changer donc son pa paye rien aucun tarif douanier c'est ça qu'on zone de libre échange et ben yo préféré à installer yo Canada alors on a jié bam tout fait li. Plusieurs fois, je me demande moi. Alors, dans le niveau d'intégration économique, il y a plusieurs niveaux. Et bien, zone de libre-échange, là, c'est ça qui est plus bas, c'est ça qui est plus souple. C'est ça qui est plus bas, c'est ça qui est plus souple. Il dit premier niveau, première étape. Là. C'est-à-dire, qui s'allie, ou permettre que si produit a fabriqué, costume ça, il fabrique Canada, et bien, là, c'est pour l'Ivaï, si fabrique ou bien pour n'importe où il a fabriqué. Si vous avez un États-Unis qui a acheté pour la vendre, et bien, pas gen droit de douane dans frontière là qu'après l'appliquer. Ça fait qui ça? Pas oublier, si costume ça tape $2,550,
l'homme était droit de douane dans sous lit costume dans arrivé $700 coup de revient André Gibal vendre faire des ça mettez 850. Est-ce que nous voyons cela alors que les pas gain droit de douane non et bon retirer comme l'état comme ça et ben costume nan donc vini a investi sur $750 donc les loyal même si c'est $100 il a fait 650 au lieu que le vendre 850. Et bien, il y a un paquet de monde qui est capable de sortir de l'autre côté, qui dit, yo, bon, regardez qui côté, qui a plus avantage, soit dans la loi travail, yo, soit dans la culture travail, yo, gen, soit dans le tarif qui appliqué, pour m'installer le business, moi, là, pour me viser marché, ça, yo, pas oublier, sous toute la terre, États-Unis, c'est plus gros marché, gain. C'est plus gros marché, gain, côté, gain, plus consommateur pour paquet de produits. Et bien, n'est-ce qui Coréen, n'est-ce qui Japonais, nèg ki m pa konnen n'importe côté a et ben le décide vinn là vinn mete entreprise di là japonais yo mete en pile compagnie machine là canadien yo a pa accueilli tout compagnie machine yo si Corée du Sud alors on parle de machine voiture nou konnen yo mais machine aussi tout donc l'autre entreprise qui sont en Europe l'autre côté a gen intérêt vinn Canada et puis kou yo visé marché États-Unis hein pas lié c'est 330 millions de consommateurs le Canada pas forcément pour le Canada ne représente pas forcément grand chose puisque c'est environ. Alors, c'est moins de 40 millions de personnes. C'est-à-dire, c'est moins que la Californie. C'est ça que ça veut dire, oui. Californie, il y a plus de monde que Canada. C'est ça que ça veut dire. Donc, yo même yo fin visé Canada. Pendant que le Canada, yo connaît, yo va pas sauver toute pile million gen au Mexique là, mais yo jwenn 10 millions clients au Mexique. Yo jwenn 20 millions clients au Canada. États-Unis, dans 333, 334 là, les mettre sont 200 yo jwenn la donne. Donc, ça font gros gros tonton bloc économique. Eh bien, c'est ça avantage, ça que zone de libre-échange. Alors, le problème n'est tout, on le m'a dit un petit cours économie internationale, mais c'est avantage ça, donc que zone de libre-échange, là, bye. Alors, on est qui dit, mon cher, vous, ça, moi, mais géofoot là, oui, ça, sont l'école, oui, oui, c'est géofoot lié, en même. Ok? Oui, oui. Donc, le Canada, son gros gros tonton économie, on paquet de gros entreprises qui connues à travers le monde, là, c'est CIDIBank, donc Toronto Development Bank, là, aux États-Unis, on va pouvoir marquer America's Most Convenient Bank, et bien, pour les États-Unis, livré. C'est Canada, l'Isoti, pas bien dit nous, deux économies yo, très très intégrées, très très liées. Donc TD Bank, son compagnie canadienne. Agence nouvelle Reuters, eh bien Reuters, son compagnie tout canadienne. Donc c'est dans le pays Canada que l'Isoti. Et nous prenons un paquet de mastodontes que nous connaissons. Évidemment, nous en Haïti ou bien l'autre côté, qu'on est Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est un leader mondial dans la production d'énergie hydraulique, c'est-à-dire énergie qui fait à partir de l'eau. Nèg ki gen on vieux rivière là, nèg ki gen on vieux lac, nèg ki gen on vieux fleuve, ou besoin fond central électrique, eh bien oui, Hydro-Québec a bossé ça sous deux tiches et demi. Alors, quoi vous pourrez tout, m'a précisé, c'est quoi vous pourrez tout. Voilà. Donc, Tizibek, sorti dans le pays Canada. Là, c'est Blackberry. Me fait blague là souvent. M'a salué du Vernois, oh. Monsieur, et Lensberry est en filo, oui. Ah, Timounou Albou Gandhi, oui, oui. Lensberry est en Gandhi. Ah, la filo, on va dire ça. Certificat, oui, certificat. Lensberry est en certificat, m'a dit filo, désolé. Alors, Blackberry, gon époque en Haïti, sous bagon Blackberry, ou pas la mode. De pou paret, non. On ti club là, dans Petionville là, dans Delma là. Et puis, on se zoubaye bibi et mou. Et vous même, ta fou ega, ou vie Nokia, long yo botet, ou go fisi 12 yo. Sou e fisi 12 yo, te gon l'autre siklere, ou te rele 8 millions. Ou moi, 8 millions de gens, par contre, avec BBM, non. Je cherche à comprendre. Alors, moi, BBM, non, son expression anglaise, je me dis, mais qui ça, BBM, non, même pourquoi ça, tout le monde dit, ça parle pas l'anglais. Mais moi, ça, par contre, pas l'anglais, parce que pourquoi ça, pas l'anglais, ou ça, BBM, moins. Donne-le. C'est après, bon, l'autre qui souffle, oh, par contre, ils sont pas capables de me dire, c'est lui, non, par contre, ils sont pas capables de me dire, c'est lui, non, télévision. Oh, c'est ça qu'il faut, par contre, ça, BBM, non, danger pour Brésil. Dis non non kounya lo bibi et mon non voye message bay mon la sur téléphone mon non pas besoin payer dit celle pas prendre comme bou pas bien à l'époque dit celle te kon toucher lo voye message c'était avant dit celle te bon lo voye 5 messages li bon 50 SMS là c'était avant ça oui oui donc lo toucher zanmam son goudou payer ou bien des goudou payer et vrai zanmam donc sou bagain Blackberry à l'époque tu n'es pas à la mode et quand je dis tu n'es pas à la mode tu n'es pas à la mode tu n'es pas à la mode tu n'as pas de femme tu n'as pas de ménage tu n'as pas de copain tu n'as pas de copine point parce que sans Blackberry zanmam tu n'existes pas. Oui, il va y couper à copine dans les pensées, c'est Blackberry qui a le ménage là. Volume d'un beau qui était là. Et même, je pas de travail pour papa. Je suis acheté Blackberry, je vais dégoûter $1,200 tout plein sous lit. Oh, Dicel, je salue le sous-trac là, oui, oui, gros volume. Je fait petit lire les Lensberry.
Ça qui passe dans Biwam, c'est dernier qui a BlackBerry. Belizier bien aimé, c'est BlackBerry. Tout directeur qui a BlackBerry. Grand secrétaire, même, c'est Grand Limena. Salut Catherine! Oui, modèle de Limena. Oui, Grand Limena, qui est en BlackBerry. Donc, monsieur, gardez tout le monde dans le bureau qui a BlackBerry. Qui ça le fait? Et madame, bien, c'est. L'Elvin, il dit, mais c'est un des nombres de nous tous, Gemberry, pas nous, même, pas nous, mais avec des espèces, moi, Lensberry, lui. Divers noirs fait ça. Monsieur, les divers noirs. Divers noirs, les petits, il y a Lensberry. Parce que tout le monde qui travaille là, il y a un black. Les mêmes, il y a un black là. Et bien, ils font Lens. Lens, par là, c'est Lensberry. Tellement BlackBerry t'a dominé marché à l'époque. Alors BlackBerry c'était gros tonton rival iPhone. À l'époque nous avons iPhone 1, iPhone 2. Nous autres connaissons l'autre iPhone 6, 7. Yo, non. BlackBerry pral prendre des mauvais virages, pral prendre des mauvais courbes et BlackBerry pral perdre du marché à. Et c'est Samsung avec son géant qui sorti dans Corée du Sud qui pral take over place BlackBerry. Alors marché ça son marché fortement concurrentiel, marché téléphonie mobile. Alors juste garder plus fort Gogo tonton licence yo, pi fort brevet yo, de compagnie gagne yo pas existé. Parce que justement, yo pas de prendre tournage là. C'est même bagay qui arrive avec photographie numérique. Nous tous, nous te kon Kodak. So where is Kodak? The only Kodak that we know is black. Kodak black, prisonnier de son état, et libéré par Trump de son état, et haïtien également de son état. Fak passe là. Pi go Kodak, nous connaissons Kodak black, nous connaissons ya. Nous pas Kodak. Mais Kodak, c'était pas le leader mondial. Kodak disposait pratiquement de monopole sous marché mondial là. Dans parole fait photo. Mais Kodak prend mauvais virage. Eh bien, deux compagnies ça ou pral prend mauvais virage. Yo pas gen temps aller dans téléphone intelligent là. Ou pas ou téléphone dans compte bien intelligent qui des nèg. On est qui vient commenter non là par exemple. Moi même pas de qui ça m'y a parlé là. Ou pas de qui ça l'a parlé là pour commenter la donne. Ça veut dire ça ou les idiots utiles. C'est ce que j'appelle les idiots utiles. Donc, ouais, téléphone, non, si j'ai un pied intelligent, qui est ou pas, mais ne se regarde le fait. Non, mais c'est bête. Si tu n'aimes pas, tu ne regardes pas. Mais tu regardes et tu dis que tu n'aimes pas. Eh bien, tu es attaché, tu es accro. Ah oui, ce sont les idiots utiles. On continue, ça, même. Eh bien, Nokia et Motorola, pral prend mauvais virage. Gardez, pi fort brevet, mon abservi, yo. Pi fort patente, mon abservi, ou licence, mon abservi, na téléphonie, yo. Ma parle de gros compagnie iPhone, so, ouais, là, Samsung, pi fort gros compagnie Z2 chinois. Eh bien, c'est Nokia avec Motorola gagné yo, mais ou pas existé encore parce que justement yo te prend un mauvais courbe alors que yo te gen monopole sous marché téléphonie mobile là pratiquement. Ou en Haïti les nèg la gade génératrice là le Delco, ça gagne Delco qui t'a populaire, Delco qui t'a dominé nèg la gade ti classique là maintenant. Oh, Thermos l'autre la gade ti baïk a bal ligne, il dit Coleman. Mais on est d'accord avec lui. Coleman, c'est marque là. Mais monsieur, c'est ça seulement le Wadevan qui a balti l'imia. Donc, il est tout Coleman. Donc, même Salvin, ou n'est pas Coleman, il est tout Coleman. Coleman, il est tout le nom générique. Et ça, on ne va pas prendre dans le géofoot là. Il y a un mdou. Idiot utile, il est là. Il va partager ça, non, idiot utile. Et tu vois le Chili, il va partager ça, non. Tu vois le Chili. Tu vois ce que tu vois le Chili. Tu vois le Chili. Non, et bien, si tu es non, tu vois le Chili. Tu vois le Chili. Tu vois le Chili. Tu vois le volume d'abord. Ok. Et bien, ça passe, ça. Gagne donc une belle économie, une gros économie que entreprise canadienne yo même yo représenter et yo pral créer donc des mastodontes qui pral des leaders dans un certain nombre de domaines. Alors BlackBerry perd 10 virage téléphone, BlackBerry toujours est ton compagnie important dans cybersécurité. Là nous pral aller dans CAE. CAE lui-même qui dans parole ZAM. Alors m'a parlé de ZAM, en pile moun quoi c'est l'on moun ralonté 65 ou M4 li fait ZAM. Si zam sa yo zam malere, zam sa yo bache. Zam sa yo moun ka fe ou la ka ou la sou gen imprimante 3D. Non, pas zam sa yo pal, de bon zam. So we ou la, ce sont des hélicoptères de combat, des drones de combat, des avions de combat. Zam sa yo zam ki che. L'otan donne que joul font F-16 ou F-18. Zam la, c'est dans million de dollars liés. Li font avion furtif. C'est dans parole million liés. Li font missile Tomahawk. C'est dans parole million liés zam. Chaque petit grain de missile là gagne sous son million de dollars perdu. Donc si missile là tombé sous dit bon Dieu, 1 million de dollars touye. Un peu de respect pour le million. Vous connaissez qui dit qu'on sort la gueule. Un peu de respect pour le million mon cher. Ou mourir mais son million de dollars touye, missile Tomahawk là son million de dollars vend. Il faut avoir un peu de respect. Ouais tout nèg a dit mon cher frigidaire. Mais on d'accord avec frigidaire là. Donc monsieur la tête misaé. Donc réfrigérateur a dit tout le frigidaire, et frigidaire là vient passer comme un nom commun. Oui, nom commun. De toutes choses qui ont glacé, tu vas y pour moi. Voilà. Ok.
Donc c'est à lui-même a fait zam. Donc Canada, même si vous avez un bon petit visage en souriant, mais vous êtes machin zam. Ça c'est drone, nous ouais, cap circulé. Donc drone yo, généralement, il y a drone yo, c'est drone de combat, oui. Ah oui, l'armée yo, il y a passé, il y a monté. Donc tout ça c'est canadien. Donc c'est à eux, les mêmes qui dans défense. Évidemment, industrie, ok à au Canada, alors ok au Canada, donc c'est pas anti-industrie petit lié tout non. Mais là, m'a prendre dans sport, m'a pas besoin prendre là réellement, mais Canada n'a pas prendre Scotia Bank. Scotia Bank là, son banque qui est à l'échelle planétaire, d'ailleurs, n'est qui en Haïti, si m'a monté qu'on vend dans la ville là où t'as prendre Scotia Bank, Scotia Bank c'est tout près bon marché tête bœuf, tout près bon marché en fer, où t'es qu'on ouais Scotia Bank. Scotia Bank, l'elle qui est à Haïti, est-ce que c'est pas Unibank qui a acheté actif Lio? Unibank ou Sojibank qui a acheté actif Lio en Haïti? Il y a peine qui est à Haïti, oui. Il y a moins que 5 à 6 ans depuis qu'il est à Haïti. Donc Scotia Bank, si m'doul dans Haïti, ou la quoi vem, son banque qui assez ou même jamais qui était City Bank qui était en Haïti. Est-ce que City Bank pas en Haïti toujours? Pas connait. Mais Scotia Bank à peine quitté Haïti. C'est-à-dire moins de 5 ans, probablement 4 ans ou 3 ans que Scotia Bank gagne depuis qu'il était Haïti. Alors pile crise n'a gagné, pile manifestation fait Scotia Bank courir une journée dans mauvaise zone. Yon nan sucus à li, yon te trouvé en bas la ville. Alors Canada, même dit Canada, désolé. Canada gagne un gros compagnie, li même, qui sont gros compagnie, qui se transporteur aérien. J'ai dit, l'or, les Canadiens de Montréal vont jouer, et bien les Canadiens de Montréal, équipé, ok, préféré aller jouer. Donc, nan ti compagnie pa yo, alors ti compagnie ya, Air Canada, se transporteur aérien. Alors, faut faire différence là, et bon, ici, comme c'est l'école qui gagne, les pourtant, on va nous différence là, gen transporteur, gen constructeur. Canada gen tout deux. Transporteur aérien, son compagnie qui achète avion. Par exemple, li achète avion, il dit, mouche, m'a fait vol, Saint-Domingue, Bordeaux-Prince. Alors, Santo Domingo, oui, Saint-Domingue, Bordeaux-Prince. M'a fait vol, La Havane, Santiago. Alors, Santiago du Chili. M'a fait vol, Santiago de los Caballeros, m'a connu, et Punta Cana. Donc, son transporteur. C'est-à-dire, avion, il a servi, c'est acheter, li acheter. Avion sa yo. Li pa constructeur. Ça dit c'est pas lui même qui fait avion, pas lui même qui assemble avion yo. Li juste acheter pour le rouler. Par exemple, pour moun ki en Haïti, sou te besoin al Miami là, ou après nous compte ko pa ka aller sur American Airlines. American Airlines va li faire avion yo et c'est justement va li faire avion yo, c'est avion l'acheter. Et ben le bon retard de livraison non Boeing, pas oublier Boeing t'en difficulté. Boeing son constructeur avion américain. Si nan men American Airlines acheter avion sa yo. Eh bien, avion pour aller en Haïti, ya. Yo beaucoup bal avion, hein. Comme Haïti a pas en ligne prioritaire, parce que nous comprenons, oui. Sous quatre là, compagnie aérienne, yo en Haïti, pile fois au petit cob. Yo vont faire deux, trois mois petit cob sous Haïti. Alors, m'kè deux raisons, m'kadou, qui fait quelques là de côté de Haïti, mais m'préférer pas kadou en public. Non, non, ça va dans l'école là. Ça sont l'autre aspect li. Mais, avion yo bal en Haïti vite, zamam. On avion pas gen moun, son avion pas rentable. Alors, comme le avion à tête ou le style pas rentable, donc vous faites le voler quand même pour qu'il y ait des destinations. Donc, American Airlines, le labga des destinations qui relie Port-au-Prince là. Labga des destinations, par exemple, Santo Domingo bien Punta Cana. Si vous avez 5 avions et 4 yo bali, qui sont quoi la supprimer? Eh bien, ça le supprimer, la réponse tout gagné, oui. Le supprimer, vol Port-au-Prince yo. Parce que Port-au-Prince, pas grand monde bal Port-au-Prince, qui moun bal Port-au-Prince? Pas grand monde bal Port-au-Prince, donc le supprimer Port-au-Prince là. Alors, on va pas les bail réel, oui. American Airlines, donc supprimer yon nan vol, li te gagné Port-au-Prince qui t'a sorti mon coin en Floride. Donc supprimer vol ça parce que li nan pas rentable assez pour la annuler l'autre côté. Donc il fait annuler pas Haïti au lieu l'annuler on l'autre côté. Donc c'est Haïti qui paye retard que constructeur Boeing qui te gagné avion accident, t'es gon paquet avion cloué au sol. Donc t'es gagné ti enquête cap fait ti bail cap fait. Donc Boeing bal retard dans avion il y a pour mettre lio et ben tout campé par Haïti et ben c'est différent ça gain donc transporteur et constructeur donc ça c'est un transporteur aérien m'a parlé là de Air Canada c'est un transporteur aérien et c'est un majeur qui gagne à l'échelle mondiale yo ça dit Air Canada tout qu'on vient en Haïti moi c'était le mardi et le vendredi si mes pas fait me défaut que Air Canada t'es convenu en Haïti. Alors bon ti avion oui, alors yo manke prend ka moun même j'ai avec moun sérieux yo. Goulè ki di qu'est-ce ki moun sérieux? Zanmam, sou bezwen a l'aise nan avion. Moute Emirates, moute Qatar Airways. Avion moun ki pral moun moyen-orient yo.
yo respecte moun. Si tout l'on péché, yo respecte moun, yo prend ka moun. Yo pa gade moun sou l'apparence même. Oh non, oh non. Si un black est là, c'est un grand black. Yo respecte moun, prend ka ou. De temps en temps, yo vin jonti kose. De temps en temps, yo passe un petit bouteille bokoto. Moun sérieux, moun éclairé. Oui, oui, yon est qui dit konso la gueule fè dando. Oh, moun djou sa dan, moun yo prend ka moun. Oh, moun chè. Ou ge kwa bouzan mam, moute Emirates. Moute Qatar Airways, ou Samdoula ou Chita. Bon, si mal est mal ou kapronteur qui chèrouise, mais Qatar Airways Emirates. Et bah, ça ou moute, vous croisez bois et vous songez l'autre dans misé. Oui, bah, ça ou commencez à blier ou à songer. Oh, si vous avez marché sous la lia, oui, ça ou passez ma babi. Nous vous dites, quoi, côté la lia, yon, quoi, passez la, comme si misé, yon, connaissez ça sous gain, on continue ça même. Donc, Canada, c'est pays qui va être grand banque ça tout, qui c'est Scotia Bank, donc Nova Scotia, alors qui nous trouve Nova Scotia, donc Scotia Bank. Ça son constructeur. Des vrais exemples avec nous. Transporteur aérien. Eh bien, ça son constructeur. C'est-à-dire, compagnie, ça fait avion. Alors, il fait avion dans le civil comme dans le militaire. Il fait avion pour le vendre avec l'armée. Il fait avion tout le monde avec grand aigle. C'est-à-dire, les ports dans le monde. Je ne vais pas parler de petits malheurs dans le groupe, non? Les ports dans le monde, 100 millions, 200 millions. Ou cache ton avion pour 3 millions de dollars. Ou cache ton avion pour 4 millions de dollars. Ou ça me dit, ou cache ton petit jet. Hello, Ronaldo, quand tu es là? Et ou tu rombion et Porto, et même si Porto, et ou tu rombion Lisbonne, et bien ok, ma privé sous. Dans combien de temps? Ah, m'ka pour 5 dans la route, ou 6 dans la route. Ou dit Ronaldo a privé sous lui, ou bien c'est qui Ronaldo, même qui Ronaldo, comme Ronaldo connaît. Cristiano, mon cher, est-ce que l'autre Ronaldo a gagné avion? Non, m'si pas gagné avion. On a allé, m'a parlé de Cristiano, ou disant moi, vini. Et vous vivez en même. Oh, bon, ça me dit là, oui, oui. Allô, oui, 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 oui. On part dans 30 minutes. Oui, oui. Parce que là, il va travailler avec toi, pour le faire travailler, il va prendre un reportage. Et bien, Bombardier, lui-même fait avion pour le vendre à des multimillionnaires, à des multimilliardaires, tout, pour le vendre tout avec des pays. Donc, parce que là, et bien, Bombardier fait jet tout, jet privé, vous n'avez c'est la jet set. Donc, parce que là, maintenant, vient entrer dans jet set là, regardez le matériel. Ou elle, l'autre a réuni, l'autre a fait un live, ou t'a expliqué, Mounio, c'est quoi le live dans l'air. Donc, parce que là, on a fait un live en l'air, comment ça a été parlé, on a parlé des pays qui attendent, non, mon chien, on a dit, c'est quoi le live dans l'air. Parce que là, zami on même ou il me dit bon Fernando. Oh zami, nous avons les zami non avion qu'on s'en fait live. Et bien je vais vous parler de la lune, je vais vous parler du soleil, les planètes, les galaxies, les différents mondes. Parce que là, oh, bah des petits causes me dégainent nous en physique. Bah le bon petit causes physique mon cher, les lois de l'aérodynamique. Et bien ça passe là, qui les m'a payé oh mes amis. Et on les mieux, on va garder ma mal parlé. On a les volumes liés, s'il vous plaît. Et bien Canada tout, gain un gros gros tonton industrie cinématographique. Et gagne un gros gros tonton production cinématographique. Alors Lionsgate c'est un leader mondial qui gagne. Alors Timoun de bout Timoun des films balcon sur film dans gang. Oui et qu'on s'allie. Alors Bombardier qui a fait avion, donc il a fait avion, il a présenté un modèle, donc il a invité la presse vinn gadi. Alors compagnie film Canada, donc nous ouais, ils font pas qu'être bon petit film que nous connaissons, des acteurs nous connaissons, ça c'est IMAX, ça c'est Deux Courriers. Donc Lionsgate lui-même c'est un gros gros tonton leader mondial que lié dans affaire production cinématographique. Donc le Canada pas gagne Hollywood, mais yo pas pi mal que ça, yo pas pi Marie, yo pas pi Bridgen, yo pas pi Achichi. Donc là c'est Morgan Freeman là c'est dans Hitman's Wife Bodyguard. Donc moi Samuel Jackson, donc c'est gros gros tonton production à la manière de Hollywood. Là son l'autre transporteur aérien qui sorti dans pays Canada, qui conduit en Haïti tout, c'est Air Transat. Air Transat donc son transporteur aérien. C'est-à-dire une compagnie qui a fait vol, m'a connait soit Montréal vers New York, soit Ontario vers New York. Alors même dit Ontario dans un airport dans zone Toronto l'autre côté, ça me connaît dans le reportage. En tout cas, Air Transat lui-même c'est une compagnie qui sont transporteurs aériens canadiens. OK. Donc, n'a regardé, c'est pas entier économie petit, puisque Air Transat sont gros tonton mastodonte lié tout dans parole transport aérien. Donc, Canada, tout son pays accueilli en pile touristes, son pays moun remen, pour les bonnes raisons comme pour les mauvaises raisons, ou bien pour des raisons non connues, ou bien pour des raisons méconnues. Mais le Canada, c'est très très beau, très très accueillant. Également, alors, Gomba est qui bizarre dans le Canada, je ne sais pas comprendre pour qui ça. Pour qui ça? Le plus facile pour le Canada, soit il besoin de vivre Canadien, la plus facile pour le vivre Canada que le visa pour le visiter Canada. Par contre, si nous comprenons ça, me dit non. En tant que Haïtien, sous formé, ou besoin le Canada, soit pour l'école, pour le vivre, la plus facile pour que pour le visa, pour le visiter Canada.
Ça dit sous besoin l'étude Canada la plus facile pour visa étudiant que bon visa touriste. Bizarre, bizarroïde, très bizarre. Canada tout qu'on bail des chefs en Haïti refus. Parce que dit à chef ça t'est passé dans tel massacre, il te violer droit moun. Alors monsieur Isaac fait ça qui est plus scandale là, moi c'est Jacques Edouard Alexis. Oui, oui, Canada t'est bail refus carrément. Canada, très spécial comme pays, très 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 bizarre. Oui, oui, moi j'aime comprendre ça. Et puis Canada toujours équipe papi a mando. Et Canada pas fait bien États-Unis non? Ouais, États-Unis nous cal bail Tissimonio. Gonna give me back the Tissimonio. Ti Jocelyn. Ouais, kozo me fait me parler, m'a parler le public. Ouais, m'a pas parler, l'a fait me parler. Monsieur a demandé qui sacré les Tijosline là. Même étoile ou pas bon live vouloir poser question. Même étoile ou pas bon live. Et Tijosline c'est l'on fait fake. C'est l'on fait vieux papier. Ou montrer papier quand on 6 business alors que dans bon caïmon ou abdomi. Ou fait papier quand on montrer mais qui va les bagarre ou posséder. Ah oui, m'ai 4 caï dans Delma, 5 caï dans Pétionville alors que zamam c'est dans bout de chambre quand on pas dans abdomi. Ça gagne ou fait et ça relé Tijosline. Ou bad les parler et vous faire monde tendre. Donc Tijoslinio ou pas forcément kabayou pour ambassade Canada pour consulat Canada pour qui ça parce que Canada prend 100 vrai pour étudier pièce yo pas les États-Unis c'est jour rendez-vous là aller consulat c'est sous prérequis dossier ou t'es rempli ya gen moun alors m'a pas ce système dans tout en avance oui donc consulat fait être une idée de sorte de présenter lio s'il besoin confirmation la posons question pour Canada non non Canada ou va le déposer bureau ou va le déposer dossier ou va dire bureau désolé ou va le déposer dossier yo gon bureau yo gen Pétionville là on fin monter mon canapé vert là et ben c'est là le déposer dossier non agence et même yo voye bay consulat consulat prend une semaine deux semaines trois semaines le temps qu'il faut pour vérifier dossier pour reler tel côté à gauche à droite pour regarder est-ce que papier bay yo bon alors généralement là le fait demande visa touriste Canada ou 95% chance réellement pour yon bon refus, parce que Canada vit n'importe petit détail, n'importe petit, ouais, tout bagay, yon va demander l'aide d'hébergement, si, là, ma couette là-bas, donc gede le papa l'obal Canada, ou kage impression, c'est dans paradis, ou tout aller, tellement Canada, ap mando, papier. Gouz amis différents, nous pas la gueule comme ça, nous avons parlé, non, ouais, j'ai des gars qui fait me dire Tijosline, m'a parlé, ou ça que le Tijosline, m'sieur Grand Simon, ou ça que fait m'baye moi, m'a le Tijosline. Mes amis, il faut me bal explication. M'oblige bail ou qu'on est l'école li, va des vitaux d'étudiants poser question. Ou oblige bail à l'étudiant, on tient pas payer l'école là, oui, mais ou qu'on est le guetant là, le guetant là, oblige bail. Donc, Canada, gan pile en pile pays africain qui reproche Canada ou dit Canada fait ça ou les pillages cerveau dans pays ça yo. Ça passe n'est qui forme République démocratique Congo. Canada a enterré ses brun. Canada fait le vini facile, fait le vini habité. Bal avantage. Nek ki formé en Haïti a, juste gade ki valait 4 nou gen, ki kouri ki Haïti, Canada kouri akyeyi yo. De pou formé zanmanm, Canada anvi bon. Canada bien content bon. Ou visa touriste de bon refus a, ok. Koun ya fon l'autre calcul allemande, on jan pou immigrer au Canada. Pendant ap gade chute Niagara pour Canada kouri bon. Kak passe l'onge diplôme zanmanm. Yap cherche ingénieur ou pa ka jwenn. Yap cherche mathématicien ou pa jwenn. Yap cherche physicien ou pa jwenn. Non mouche ou gogo ou pétas technique. Non, monsieur, ça que passe là, au besoin, parce qu'on lit. Donc, Canada accueille en pile, communauté étrangère, que soit monsieur dans le sous-continent indien, d'ailleurs, il y a un paquet de sikhs dans le pays Canada, d'ailleurs, il y a un gouvernement, un paquet africain en pile haïtien. Alors, d'un côté, c'est très bon, parce que le pays, ça a eu gain, des fois, problèmes politiques, crise économique, violence, donc on y a le caché. Mais de l'autre côté, posez-vous cette question. Haïti formé mounan. Est-ce que mon nom c'est Haïti? Alors moi même Haïti va raciter nom d'aide. Moi me paye Haïti dette moi. Haïti faut même payer Haïti. Bad Haïti rien. Oui, me paye dette moi net moi même. Pareil même servir pays là. Mes investissements dans pays là est toujours là. Donc moi même paye dette moi. Moi Haïti nous quitte. Tout ça va faire là c'est bénéfice pour Haïti. Moi Haïti nous quitte. Parce que comme on va quitter avec là parce que m'balise même. Gen moun ki pa bali même, non gen nèg ki fini là. Yo passe dans l'école nationale. Alors moi passe dans l'école nationale, vous me dites ça. Yo passe dans l'école nationale. Ensuite, il y a le lycée. Le fin, il y a l'université l'État. Après ça, l'État va en bourse. Il a même fait doctorat à bourse l'État. Quand il y a le pour dire qu'il y a l'autre pays. C'est-à-dire Haïti fait 20 ans payer pour formation. Il y a Haïti on joue même. Même on joue contribution. Je suis dans l'État, 13 000 goud. Salem dans l'État, 19 000 goud. Ensuite, le mal quitté première fois, il quitte 23 000 goud. Le mal quitté dernière fois, il quitte 34 000 goud. Donc, vous voyez, l'État va raciter l'homme d'aide. Je fais l'État. Ou pas qu'être faveur, je travaille pour l'État pour 19 000 gouttes, pour 20 000 gouttes, 34 000 gouttes. Ça, vous avez gagné au lac. Donc, l'État nous quitte. Voilà.
on est qui dit Canada son paradis sur terre. Alors m'pa kwè paradis a existé aucun côté, m'pa utiliser expression là, m'a juste dit Canada c'est un très très beau pays, assez accueillant. Voilà, l'affaire est entendue et parce que mon paradis on est m'pa servi avec concept qui est le concept paradis et parce que moi me juger dans tête moi seul paradis c'est paradis bon Dieu gagne. OK, voilà. Bon monde qui dit me fait dans deux monde ça est emmerdant. Non, Canada emmerdant. Les apmando rempli dossier, c'est très très emmerdant. Et puis Canada, son paquet de mégastar, moi me connais Drake. Hello Drake, ça qu'a fait. Drake qui était commencé donc avec YMCMB, Young Money, Cash Money, Billionaire. Drake et un petit boyfriend, oui, un petit boyfriend et l'autre madame non, Rihanna. En tout cas, c'est pays tout Justin Bieber. Justin Bieber qui démarre tout petit tout, les Osher le monsieur donc tout petit. Justin Bieber, donc qui sorti Canada, le évidemment qu'on y a la vie Los Angeles, m'bako el al Canada, plus facile que ça, mais Justin Bieber, c'est lui-même tout, Air Canada, oui, oui, c'est Canada qui transporte, c'est Canada, yo aussi, donc Canada qui a un paquet d'acteurs, un paquet d'actrices, qui très 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 connu. Alors, moi, un acteur canadien, yo, acteur préféré, moi, hein, c'est pas l'autre, et tout le monde, moi, mais Jack Bauer, de vous suivre, moi, peut-être tout le temps, m'a parlé de Jack Bauer, et mais Jack Bauer, son nom, c'est que le Kiefer Sutherland qui fait Jack Bauer, et moi-même, pas cabaret, mais Jack Bauer, voilà, voilà l'homme, voici l'homme, l'homme c'est l'homme, Don Donolier, et bien Jack Bauer, Kiefer Sutherland, et bien Kiefer Sutherland, lui-même, lui sorti donc, dans le pays Canada, alors par contre, si jeune fille qui grandit en Haïti, qui parle aimer Céline Dion, et moi-même, sous le, comment il est, sous le qui ça? Et comme fait qu'on est sous le vent égaou, en tout cas, m'a gagné voix pour me chanter. Donc, Canada, ben, on paquet de belles acteurs, on paquet de belles actrices, et gros gros tonton chanteur. Alors, dans les années 90, toute petite jeune fille en Haïti, t'as chanté Céline Dion, et my heart will go, oui, ça oui, my heart will, comment musique là, musique là, pour Titanic là, oui, regardez. En tout cas, Céline, elle mourit des fois. Non, elle va pas mourir, non, c'est Marie là qui mourit. Ok, René qui mourit. Excusez-moi, Céline, regardez, bon, oubliez cette musique là. Ok, donc Céline Dion, donc on paquette vraiment dividal. Alors, quand toujours on est ça, américain, oui, parce que puis faut là, devoir vivre Los Angeles, à États-Unis. Céline Dion, font paquette, t'as joué Las Vegas. Alors, Céline Dion, ça fait le chant en français. Donc, on va comprendre, ça faut plus facile comprendre que le sorti Canada, parce que Céline Dion chantait en français. Alors, Canada, tout, bail des champions. Alors, sport national Canada, c'est pas football, je veux dire, football qui a joué, mais sport national là, c'est hockey, hockey sur glace. D'ailleurs, il y a une petite particularité, mais par contre, si nous comme ça, championnat, hockey sur glace, la NHL, là, plus que 50% d'un joueur qui a joué à l'année, c'est joueur qui sorti dans le pays Canada, qui sorti Canada. Même le, nous avons Américain ou play équipe là-dedans tout, mais Canadien yo, gen plus joueur. C'est-à-dire, même dans l'équipe américaine yo, eh bien, gon paquet de Canadien. Évidemment, nèg qui dans zone francophone, yo côté famille mieux, m'a salué Alice, en tout cas, m'a salué Chloé, m'a salué, et Tati Sonia, hello Joe, oui, oui. Et en tout cas, et toute connexion canadienne, toute connexion Canada, non, et oui, yo même, y a chauffé donc, les Canadiens de Montréal, les Canadiens de Montréal, qui c'est équipe zone la caillou. Alors, évidemment, presque toute grande ville dans le pays Canada, alors, on va parler de grandes villes qui respectent tête, yo, yo tout net, gain, équipe, non, NFL, là, que ce soit Toronto, que ce soit Vancouver, nous sommes parlé là de Montréal, que ce soit Ottawa, Calgary, Edmonton, ou bien Winnipeg, yo tout gain, équipe, cap évolue dans NHL là, c'est National Hockey League, en fait, qui réunit équipe aux États-Unis et équipe Canada, et c'est même gens tout, par exemple, pour NBA, qui c'est championnat basket nord-américain, li gen yon équipe qui sorti Canada en franchise. Blanc sa franchise, donc en franchise qui sorti dans le pays Canada, qui c'est Toronto Raptors, pas oublier Toronto Raptors, c'est lui même qui était champion. Hein? Et c'est lui même qui était champion. Et il y a trois ans. Il y a trois ans de cela, c'est lui même qui était champion. Et pas oublier tout, Toronto te recevoir All-Star Game. All-Star Game 2016. Yo. D'ailleurs, pour MLS là, alors, nous dans Toronto Raptors, mais dans le football là tout, championnat yon gagnant, qui c'est ça, ou yon ligue fermée. C'est-à-dire, pas gagné descendre dans le premier, pas gagné descendre dans la deuxième division, mouté dans la première division, pas gagné ça. Eh bien, trois franchises qui sortent dans le pays Canada, a joué dans MLS là. MLS là, c'est Major League Soccer là. Major League Soccer là, qui sont championnat, qui sont ligue fermée que pays États-Unis gagnent. Il va même dire avec championnat en Europe, you know, le même, ils sont ligue fermée. Eh bien, yon gagne trois équipes là-dedans. Yon gagne Toronto, yon gagne White Capsio, qui sortent Vancouver, et yon gagne Impact de Montréal. Impact de Montréal m'a demandé qui haïtien t'avait plusieurs fois qui haïtien qui joue dans l'Impact de Montréal là parce que les petits boulot 99 2000 2001
te gon joueur haïtien qui saute dans Gold Cup qui te joine contrat ou bien stage salia dans Impact de Montréal. Maintenant de tête moi, est-ce que c'est pas Sébastien Vob à chaque fois, même Bajam Ronin réellement. En tout cas, ça yo c'est équipe qui a joué tout dans championnat américain gagné. Donc là nous avons Toronto Blue Jays, Toronto Blue Jays là nous avons c'est baseball. Donc nous c'est baseball, donc pays extrêmement lié, économie extrêmement lié. Et puis là, alors que je m'a parlé de sport là, franchise m'a parlé, ce sont des mastodontes économiques. Toronto sont gros gros tonton l'argent. Les Canadiens de Montréal sont gros gros tonton l'argent. C'est-à-dire un paquet de merchandising, un gros stade, droit télévision. C'est-à-dire bâtiment et petit, c'est gros gros tonton l'argent m'a parlé. Pas oublier hockey à moins du, le plus canadien que américain. Le plus canadien que américain, en tout cas, très souvent, équipe Canada yo brille et tout. Alors, sport d'hiver, extrêmement populaire dans le pays Canada. Sport d'hiver, extrêmement populaire dans le pays Canada. Tout, parce que Canada, justement, il y a une neige qui a tombé, snow qui a tombé, qui a emmerdé les gens. Et bien, si les gens jouent pendant que les gens jouent, tout apprend. Tout apprend et bien, tout compte jouer. Donc, l'on regarde les Jeux Olympiques d'hiver, ou après Canada capable de rivaliser avec les pays nordiques, tant que Norvège, tant que Finlande, tant que la Suède. Ça fait ça parce que oui il y a neige alors là Canada tout bail quelques pieds marins dans football qui te bat moins et nous est David te bat moins nous est Davis te bat moins Alfonso Davis en tout cas et gros paquet nèg dans Canada donc cap briller kounya dans football là regardez tu vois les ça te bat Haïti a monsieur même al jouer Ligue des Champions le champion et pas mandé monsieur qui monde champion ba dans bouche pour n'a connait si Barcelone te prend bâton si Paris si jamais te prend bâton pas si te nom des dômes aujourd'hui a pour la paix moi même je veux dire pour la paix et ben dans bouche on a connait Barcelone t'es prend un petit bagage yo les V8 bagage V8 là nous veut bien on V0 alors la vidéo le papa le bagage V8 si son V0 rien mais pas de problème on prend V0 a et ben tout le monde qui gagne V8 non papa le bagage V8 on prend V0 donc moi même là moi prend petit V0 parce que moi même moi pas gagne V8 en tout cas Canada son gros gros tonton pays sport en grande nation sportive alors Keanu Reeves qui sont acteurs que moi-même en pile tout Keanu Reeves lui même tout sorti Canada Keanu Reeves c'est Matrix si jeune qui levé dans génération pas maintenant nous toujours bien petit monde dans bouche nous la matrice est un monde imaginaire oui nous te rêver Matrix en pile sorti dans Matrix dans la Matrix Reload dans la trilogie oh là là alors qu'on y a là m'inspiré 4e Matrix là ben moi vite non m'attend non oui m'attend en tout cas Canada ba un paquet méga star non paquet domaine c'est soft power Canada ça donc petite puissance douce là c'est Céline Dion que toute petite jeune fille en Haïti connaît et puis l'autant de Dieu qu'a cherché oui ça a cherché comme ça oui bon Dieu dit pour les démons bon Dieu dit pour aider en pile monde donc c'est ça Dieu qu'a fait là chercher monde pour l'aider et puis dans monde l'aider là lui fait ma mille du Québec ça dans mon oui les du Québec ça dans mon en tout cas Canada ba nous Jim Carrey l'autre petit monde c'était le masque qui t'a fait nous rire en pile c'était macaque en pile dans le film mais il était very funny Jim Carrey Mr Bean et monsieur Sayo sont l'autre niveau yo dans comédie yo pas besoin faire pile bagaille des gestes très très simples. Alors Jim Carrey parlait lui-même, Mr Bean généralement pas parlé. Mr Bean, Jim Carrey, dès que ça vous fait rire, puis alors Jim Carrey lui-même sorti donc dans le pays Canada. Ok, non, quittez ça. Moi même pas aucun bel garçon là, seul bel garçon qui est dans la vie là, il donne dodo. Donc quoi c'est là, allez qu'on nous la bonne Simone. Et puis évidemment il y a Garou, sous le vent. Moi même si c'était pour chanter, me dit nous ça déjà, me tape le chômage. Alors Canada ba un paquet de gros tonton écrivain tout là c'est une académie française ou carré elle c'est pour lier mais pour Canada tout madame ça tout c'est Michael Jean ou ka dit c'est pour lier en Haïti mais pour Canada tout nous sommes là écrivain canadien qui c'est écrivain haïtien mais qui écrivain canadien nous sommes là ancienne gouverneur général Canada qui lui même c'est haïtien tout oui Canada ka ba ou yo Canada ka pre yo Canada prend li ba ou et oui comme on dit et c'est comme ça donc là c'est Danila Ferrière l'écrivain canadien ou bien l'écrivain haïtien évidemment c'est Matrix oh là là aïe la Keanu Reeves en tout cas et aïe en tout cas pas un problème pita m'a cherché un petit Matrix me regarder la Matrix c'est un monde imaginaire c'était très très beau très beau c'était au début des années 2000 on était probablement soit en 99 ou en 2000 et c'est un film que me plus fait folie pour lui, me plus remé, alors qui fait me plus volant les tout, même j'avais Equilibrium. Aïe, aïe, aïe. Ouh, c'est le Canada.
c'est le Canada. Et Fernando, et qu'est-ce qu'on dit après le bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté va suivre nous, dépendamment de qui côté va regarder nous, c'est Fernando Estimé contre André Lacayou pour nouvelle sortie Géofoot. Alors je dis à ma feeling moi Géofoot et en pile Géofoot. Alors Canada qui sont pays accueilli en pile vraiment là, en pile haïtien. Son pays au moins soit haïtien on fois dans vie ou tendez parler de Canada ou tendez on fois que Ojo qui sa Canada. Et bien, je dis à m'bral balo du Canada. Donc, je dis à côté Canada, donc, à jouer dans le cadre de compétition. Ça, donc, tout profiter du prétexte ça pour m'kafo visiter Canada. Alors, Canada, son pays en pile, là, nous connaît. Son pays tout en pile, haïtien, remé. Son pays tout en pile, monde sous la tête, généralement, quelconque, pour m'préciser, remé. Alors, gonne qui zib, Fernando, qui l'a fougé au foot Haïti? Non. Ma chita kounya pou mdando kap fonje ou foot Haïti. Oui, va y ma bon Canada kounya ou bon Haïti ya. Ok? Oui. Alors pays ya, c'est Canada. Canada, c'est yon royaume. Capital là, c'est Ottawa. Canada qui divise en un certain nombre de provinces. Pourquoi c'est 10 provinces? Donc nous allons visiter avec ou là. Canada, nous allons forwe. Qui ça qui Canada? Donc pour capable faire connaissance avec pays ça, le Canada. Ah oui, Zamiri, mes réponses moyennes. Zamiri, mes réponses moyennes. Alors, le Canada, c'est drapeau ça. Un drapeau qui est assez connu à travers le monde et un drapeau que moun remè. Alors, Canada, il y a plus moun remè que les États-Unis pour me dire la vérité. Ça qui passe, Canada, pas jamais remè par les fonds dans le bagay moun. Yo pale, oui, yo là en bas. Oui, yo là en bas. Si m'de wè, on zanmi m'da p'di Canadien ou sou noir, oui. Et bien Canada, son drapeau assez connu, rouge et blanc. Donc tout le monde capable de remarquer assez facilement parce que drapeau a assez connu. M'a parlé là de un royaume. Royaume, c'est-à-dire son monarchie. Un monarchie, donc son roi ou bien son reine cap dirigeil. Ou ça me dit là, par exemple, alors Jovenel Moïse mourit lui-même, pas prendre un exemple et pour Haïti, mais et en règle normale, c'est-à-dire qu'il y a là, tu as supposé que président en Haïti. Donc Haïti a un régime présidentiel, alors pas nous, c'est semi-présidentiel parce que premier ministre gagne en pile pouvoir. Alors c'est un cas particulier l'en mort président Jovenel Moïse qui fait nous pas de gagner un président en fonction. But généralement quelconque Haïti donc son régime présidentiel, alors je dis le semi-présidentiel parce que régime dans le président, le premier ministre. Gagne l'autre pays par exemple les États-Unis, son régime présidentiel strict. Donc président c'est le gagne pouvoir, c'est président qui dirige l'action gouvernementale là. En Haïti, on dit semi-présidentiel parce que le premier ministre a en pile pouvoir, même si le président toujours nommé en pile directeur général qui veut même pour le mettre dans la politique là toujours. OK. Donc pour Canada lui-même n'a pas parlé là de monarchie. Donc son monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire c'est pas comme si son droit divin net capable appliquer roi fait salver les salvivito. Non. Roi son pouvoir donc uniquement presque protocolaire. Donc n'a pas parlé là de monarchie. Monarchie a donc son roi ou bien reine qui a dirigé. Donc nous allons voir devant c'est reine Elisabeth II. Reine Elisabeth II, c'est reine d'Angleterre là. Donc il n'est pas présent en Amérique. Donc il y a Mouni qui représente. Le Souven Salam, c'est Marie Simon qui représente. Donc c'est comme ça, lié généralement quelconque. Et c'est premier ministre là. En l'occurrence, pour le Canada actuellement, c'est Justin Trudeau. Donc c'est Justin Trudeau qui a dirigé. PIA, c'est lui-même qui a dit, mon cher, fait X, fait Y, fait Z pour qu'il soit un tel bagage. Alors, Canada, tout son province, donc pouvoir séparé, et pouvoir fédéral là, Justin Trudeau vient pouvoir parler, mais les qui Québec là, ils bossent la caille. Nous, c'est grand Timon, donc nous, il y a temps de comprendre, les qui Ontario, ils ont dit, ils bossent la caille tout. Ça veut dire, pouvoir, yo gagner au niveau provincial, non, pouvoir. Yo. Donc, on allait, le Canada. Alors, le Canada, c'est image n'a regardé là, donc c'est territoire ça, un gros tonton territoire, c'est ça n'a carré long mastodonte. Donc le Canada qui voisin États-Unis de bord et qui ont tijan tout voisin Danemark parce que Groenland pas tellement loin ni. Donc Canada qui voisin États-Unis de bord, voilà. Donc ça c'est carte géographique Canada qui c'est deuxième pays qui plus gros qui gagne sous la terre. Canada donc c'est deuxième pays qui pique gros qui vient sous la terre. Bon, seul pays qui a plus territoire parce que c'est la Russie, c'est Fédération de Russie. C'est-à-dire Canada presque lui-même rive à 10 millions. C'est-à-dire Canada presque rive avec 10 millions de kilomètres carrés. Canada, c'est 9 984
1670 km². Alors la Russie presque a fait deux fois le tour, faut me préciser, parce que la Russie lui-même c'est plus de 17 millions de km². Alors, je parle de la Fédération de Russie, qui pas tellement loin Canada en l'air non pour l'or là tout. OK. Donc Canada, c'est un royaume, c'est-à-dire son monarchie, son roi qui a dirigé ou bien reine en l'occurrence Kounia, son reine, mais très bientôt ça va être un roi parce que dans le monde qui est dans la ligne succession pour trône, pas gagné une fille qui bien placé. Donc monde qui bien placé yo, c'est papa Harry, donc c'est prince Charles. Et petit prince Charles et petit prince Charles, donc trois garçons qui dans ligne qui succession qui pour succéder avec madame ça Noëlla qui c'est sa majesté la reine Elisabeth II, Elisabeth II qui c'est donc chef d'état pays Canada. C'est-à-dire c'est lui chef d'état par exemple en Haïti avant la mort Jovenel Moïse, donc c'est Jovenel Moïse qui était chef d'état, c'est-à-dire président. Alors chef d'état qui a plusieurs titres, il y a droit duc, il y a droit prince sérénissime, il y a droit roi, il y a droit reine, il y a droit président. Alors ça au gain Roger Abdoula, donc c'est système là qui a dit mon cher, mais qui titre l'a gagné, mais en l'occurrence c'est lui chef d'état. Donc Jovenel Moïse c'était président, il était chef d'état. Et bien reine Elisabeth II, c'est reine, le chef d'état. Roi Salman en Arabie Saoudite, c'est roi, le chef d'état. Duc qui a dirigé Luxembourg là, c'est un duc, donc l'a dirigé un grand duché, lui c'est chef d'état. Prince sérénissime qui a dirigé Monaco, donc son principauté pays a donc son principauté, donc son prince cap dirige, mais il c'est chef d'état. Nous prenons cela. Donc il c'est chef d'état qui doit avoir un titre roi, reine, prince, duc, ça va aller de qui ça l'a dirigé, donc il c'est chef d'état. Mais son Jibril Bomba Noua, chef d'état, c'est vrai, il c'est chef d'état, mais pouvoir le gagner, c'est un pouvoir protocolaire. C'est-à-dire c'est lui-même cap diriger action gouvernement réellement. Mon cap diriger au Canada, c'est alors le jeune gosse en Ronald qui était babli poussé, c'est Justin Trudeau. Justin Trudeau, c'est lui-même qui premier ministre pays Canada, là c'est avec voisin Donald Trump. Alors, à l'époque, image ça dépend, donc c'est Donald Trump qui était probablement président des États-Unis. Alors, comme Ren n'a pas là, Ren n'a nommé gouverneur général là pour Canada, c'est Mary Simon, et bien Mary Simon, ou bien j'ai dit là, Marie Simon, et bien c'est Marie Simon, c'est lui-même qui a joué le gouverneur général là, donc représentant Ren n'a. Là, c'est Justin Trudeau, donc qui est en réunion avec d'autres responsables européen. Donc Justin Trudeau, c'est lui-même tout qui a dirigé donc action gouvernementale là, c'est lui-même qui gagne ministre affaires étrangères, la passé ministre affaires étrangères l'autre, est-ce qu'on doit reconnaître tel gouvernement en Haïti, tel gouvernement au Sénégal, tel gouvernement au Cameroun, c'est lui-même qui connaît qui l'occasion Canada pour que ça oui, les gens doivent décider leur frontière. Et de fait, l'été leur frontière là, où est qu'il va les difficultés t'a gagné pour sortir États-Unis, sous pas gagne on urgence après venant pour aller Canada. Oui, parce que c'est lui justement qui chef là, c'est dans le sommet G7. G7 que yo dit qui réunit 7 pays qui puis industrialisés. Alors, il me dit yo dit parce que c'est pas vrai, c'est ancien bossier. Alors là, lui-même, c'est Justin Trudeau avec on l'autre monde que Elisabeth a dirigé la caille tout. Là, c'est avec Boris Johnson. Boris Johnson, c'est premier ministre britannique, là, la reine d'Angleterre. Donc, c'est reine qui a dirigé United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. C'est-à-dire le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et bien c'est même chef d'État, tous les deux pays ça a gagné. Alors, bien non, c'est deux pays indépendants. Canada, c'est un pays indépendant. Royaume-Uni, c'est un pays indépendant. C'est pas un seul pays allié, non? Non. Yo, chaque c'est un pays. C'est-à-dire le Canada est un pays indépendant, le Royaume-Uni c'est un pays indépendant. Il se trouve que chef d'État qui a dirigé, c'est chef d'État qui a dirigé plus pays bien sous la terre. C'est-à-dire, reine d'Angleterre, là, c'est lui-même qui reine de la Jamaïque. Mais la Jamaïque, c'est encore un État indépendant. Donc, reine Elisabeth II a dirigé plus pays que tout le monde net sous la terre. OK. Donc, on continue avec précision. Elle était importante pour me faire précision. Ça y est. OK. Donc, là, c'est toujours. Et Justin Trudeau. Donc, nous, là, et qui a fait diplomatie, qu'on dit, qui a recevoir l'autre premier ministre. Là, c'est Kouassi, la recevoir. Donc, c'est dans ce cadre sommet Union européenne. Que gagne avec pays Canada. Alors, Union européenne qui s'est alliée Canada. OK. Alors, on parle de Canada. L'important pour nous préciser pour vous, on parle là tout d'un gros tonton puissance économique. Puissance économique, là, lié avec les États-Unis. Parce qu'on va avoir un paquet d'enchevritement gagné
gon paquet alliance qui gagne qui fait Canada bénéficie en pile l'États-Unis, alors États-Unis bénéficie en pile le lito. Mais généralement Canada a un gros marché intérieur là. Ça dit c'est États-Unis qui gagne gros tonton marché intérieur là. Ça dit États-Unis sont gros tonton client lié pour le Canada et le Canada sont gros tonton producteur lié non paquet de domaine. Alors on a prouvé Canada fait en pile gaz. Canada fait en pile pétrole. Alors pas tellement gagne tout besoin ça yo parce que il y a quelques autres zones li gagne pile vie lac vie de l'eau vie rivière et ben pour le faire énergie hydroélectrique. Donc Canada son pays lui-même, il va besoin énergie dans mes monde. Et même vieux bois, il a braché dans rager yo, vieux bois ça yo va vendre yo pour faire comme tout dans pays Canada. OK, ça est parti énergie ya. Canada son grande puissance énergétique, son gros gros tonton producteur d'énergie. Canada, nous va le tout avec gain qualité ça, yo bon en pile. Yo moins que 38 millions en fait. Mais yo produit manger et yo produit en pile manger. Canada c'est un pi gros producteur manger gain sous la terre. Canada tout fait en pile viande bovine, en pile viande bœuf. Canada tout fait en pile lait. Il est canadien en li réputé en pile pour raison très simple, pour d'accord avec l'oua boue lait qui sorti Canada qui sorti Haïti, ou pi fait mes jours dans pas Canada que dans pas Haïti a. Parce qu'on est Canada à respecter plus règles ou qu'on est Canada à respecter plus règles pour le capable fait l'aide par là. Canada son gros gros tonton producteur céréal en plus de l'autre richesse que bon Dieu bail Canada l'ogain presque 10 millions kilomètres carrés bon Dieu a mis de bail là dedans pour passer le bac carré de vide c'est vrai ouais c'est neige ouais mais l'on font si gratter neige là ça même grand petit bail là dedans. De la parole pétrole gaz, mais nous avons déposé ça ensemble. Canada gen diamant, Canada gen nickel, Canada gen aluminium. Et même zone où il n'y a pas grand pile bagay pour faire manger, mais zone sa yo ensemble, région sa yo, il n'y a pas tellement de mine. Donc Canada, son pays, m'a dit, dans le vrai sens du terme, bon Dieu béni Canada. Bon Dieu béni Canada. Alors langue officielle yo c'est anglais et français, français a qui parle plus dans zone Québec. L'autre province yo anglais a extrêmement majoritaire. Alors premier ministre canadien yo, alors et Stephen Harper me connait la m'a monté dans français a, mais généralement premier ministre canadien moi yo techniquement très bilingue. Alors pour grande ville Canada en pile là nous contendé yo, nous t'a dit Toronto. Oui, Toronto nous t'a dit souvent, nous t'a dit Montréal souvent, nous t'a dit Vancouver, Ottawa. Laval, Laval côté gon paquet haïtien qui a étudié là. OK, alors gros université qui là. Donc, en parlant du Canada, Canada son gros tonton économie. Au-delà de ressources ça on parler nous hein, et ben Canada gen un paquet gros tonton compagnie qui au même c'est des mastodontes yo à l'échelle mondiale dans domaine paywa. Ça dit c'est gros droit et puis gen là d'ailleurs ou pas forcément te connais si au canadien. Tellement économie Canada avec économie les États-Unis liés ou pas forcément connaît si c'est pour Canada ou bien c'est pour États-Unis liés ça passe Canada dans un accord avec les États-Unis que aurait les NAFTA que alors accorder les NAFTA qu'on y a accorder les Canada États-Unis Mexique NAFTA c'est North American Free Trade Agreement c'est-à-dire accord de libre échange nord-américain qui te réunit le Canada les États-Unis le gros morceau et le Mexique, alors le Mexique plus gros morceau que Canada, vous voulez nous comprendre ça, Mexique gagne plus sur la en termes de territoire, non, Mexique gagne plus monde de loin que Canada. Et bien ça crie, gagne de produits où tu as besoin de faire. Si bah elle n'est pas tellement compliqué, ou quand tu fais le Mexique, mais pas oublier niveau d'éducation gagne Canada, c'est pas niveau d'éducation que gagne au Mexique. Au monde qui habite, qui habite Mexique, on garde ça. Ok. Et bien ça qui passe, donc un paquet d'entreprises, notamment dans le domaine automobile, notamment dans le domaine aviation, notamment dans le domaine construction, mais qui a visé marché américain. Hein? Comme yon konne espace de libre-échange, là, c'est un espace koto kal changé, donc son pape an yon aucun tarif douanier, c'est ça qu'on zone de libre-échange, et bien yon préféré à l'installer yon Canada. Alors, on a dit, bon, tout fait li. Plusieurs fois, je m'en demande, moi. Alors, au niveau d'intégration économique, yo gagne plusieurs niveaux. Et ben zone de libre-échange là, c'est ça qui pi bas, c'est ça qui pi souple là. C'est ça qui pi bas, c'est ça qui pi souple, il dit premier niveau, première étape là.
c'est-à-dire qui s'allie, ou permettre que si produit a fabriqué costume ça, li fabriqué Canada, eh bien là c'est pour Levi's si fabriqué ou bien pour n'importe entreprise d'a fabriqué, si gros moun aux États-Unis qui a acheté pour la vendre, eh bien pas gain droit de douane dans frontière là qui va l'appliquer. Ça fait qui ça? Pas oublier si costume ça t'a vendre $550, l'homme était droit de douane dans souli, costume dans arrivé $700. Coup de revient, entreprise qui va vendre faut faire des ça mettre 850. Est-ce que nous voyons cela? Alors que les pas gain droit de douane non et bon retirer comme l'état comme ça. Eh bien, costume nan donc vini a investi sur $750. Donc les loyal même si c'est $100, il a fait 650 au lieu que le vendre 850. Eh bien, il y a un paquet moun tout qui capable sortir l'autre côté qui dit yo bam garder qui côté qui bam plus avantage soit dans loi travail yo, soit dans culture travail yo gagné, soit dans tarif capable appliquer pour m'installer business moi là, pour me viser marché ça yo, pas oublier sous toute la internet, États-Unis c'est plus gros marché gagné. C'est plus gros marché gagné côté gagné pile consommateur pour paquet de produits. Et ben nèg qui coréen, nèg qui japonais, nèg qui m'pa connaît n'importe côté ya, et ben il décide vinn là. Il vinn mettre entreprise là, japonais yo mettez en pile compagnie machine là, canadien yo a accueilli tout compagnie machine yo si Corée du Sud. Alors on parle de machine voiture nous connaît yo mais machine aussi tout donc l'autre entreprise qui sont en Europe l'autre côté a bien intérêt vinn Canada et puis kou yo viser marché États-Unis hein, pas oublier c'est 330 millions de consommateurs le Canada pas forcément pour le Canada ne représente pas forcément grand chose puisque c'est environ alors c'est moins de 40 millions de personnes c'est-à-dire c'est moins que la Californie c'est ça veut dire oui Californie gagne plus monde que Canada c'est ça veut dire donc yo même yo vinn viser Canada. Pendant au Canada, yon konnen, yon pa sauver tout pile million gen au Mexique là, mais ap jwenn 10 millions clients au Mexique. Yap jwenn 20 millions clients Canada. États-Unis nan 333 334 là, li met son 200 rejoin la donne. Donc ça font gros gros tonton bloc économique. Et ben c'est ça avantage ça que zone de libre échange là. Alors le problème ni tout, on le mava nou un petit coup économie internationale, mais c'est avantage ça donc que zone de libre échange là bye. Alors, on est qui dit mon cher, vous savez, mais j'ai au foot là. Oui, ça, c'est l'école. Oui, oui. C'est j'ai au foot liés en même. OK? Oui, oui. Donc, le Canada, son gros, gros tonton économie, on paquet de gros entreprises qui connues à travers le monde. Là, c'est Citibank. Donc, Toronto Development Bank là. Aux États-Unis, on peut le marquer America's Most Convenient Bank. Et bien, pour les États-Unis, livré, c'est Canada, l'Isoti. Pas bien, dis-nous, deux économies, très, très intégrées, très, très liées. Donc, Citibank, son compagnie canadienne. Agence nouvelle Reuters, eh bien Reuters, son compagnie tout, canadienne. Donc c'est dans le pays Canada que l'Isoti. Et nous prenons un paquet de mastodonte que nous connaissons. Évidemment, nous en Haïti ou bien l'autre côté qu'on Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est un leader mondial dans la production énergie hydraulique. C'est-à-dire énergie qui fait à partir de l'eau. N'est qui gagne vieille rivière là, n'est qui gagne un vieux lac, n'est qui gagne un vieux fleuve. Ou besoin fonds central électrique, eh bien oui, Hydro-Québec a bossé sous deux tiches et demi. Alors, quoi vous pourrez tout, ma précisé, c'est quoi vous pourrez tout. Voilà. Donc, Citibank sorti dans le pays Canada. Là, c'est Blackberry. Me fait blague là souvent. M'a salué du Vernois. Oh, monsieur, Lensberry qui est en filo, oui. Ah, Timon Albou grandi, oui, oui. Lensberry qui est en grandi. Ah, la filo, on va dire ça. Certificat, oui, certificat. Lensberry qui est en certificat, m'a dit filo, désolé. Alors, Blackberry. Gon époque en Haïti sous bagon Blackberry ou pas la mode. De pou paret nan on ti club là nan Petionville là nan Delmar là et puis tout monde se bay bibi et mou et pou même ka fon regard ou vie Nokia long yo bote tout gros fisi 12 yo sou fisi 12 yo te gon lot ti clairé ou te rele 8 millions ou bon moi 8 millions gen par contre sak bibi et nan m'a cherché comprendre. Alors moi bibi et nan son expression anglaise m'a dit mais c'est qui sak bibi et nan même pour ça tout monde s'y a pas l'anglais mais moun sa ou pas contre pas l'anglais parce pour ça pas l'anglais ou ça bibi et moi c'est après qu'on l'autre qui souffle. Oh, par contre, il se bat avec la m'dit. C'est lui qui dit, par contre, la télévision. Et puis, il y a la télévision. Oh, c'est ça qu'il faut, par contre, ça que Bibi aime. Danger pour Brésil. Il dit, non, qu'on y a l'autre Bibi aime. Mon nom, vous avez un message. Mon nom, là, sur le téléphone. Mon nom, pas besoin de payer. Dit, c'est pas prêt comme vous. Pas mis à l'époque. Dit, c'est qu'on touchait l'envoi message. C'était avant. Dit, c'est qu'on l'envoi 5 messages. Dit, 50 SMS là. C'était avant ça. Oui, donc, le touché, c'est même son goudou payé. Ou bien, c'est des goudou payé. Et vraiment, donc sous Blackberry, à l'époque,
tu n'es pas à la mode. Et quand je dis tu n'es pas à la mode, tu n'es pas à la mode, tu n'es pas à la mode, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de ménage, tu n'as pas de copain, tu n'as pas de copine. Point. Parce que sans BlackBerry, même tu n'existes pas. Oui, bah, copain à copine, dans quel passé, c'est BlackBerry qui a fait le ménage là. Volume n'a pas quitté là. Et même, je n'ai pas de travail, bon papa. L'homme finit d'acheter BlackBerry, papa. Je vais dégoûter 1200 dollars, tout plein sous lit. Oh, diesel. Je salue le sous-trac là, oui, oui. Gros volume. Monsieur fait petit lire les Lensberry. Ça passe dans Biwam, c'est dernier qui a BlackBerry. Belizia bien aimé de qui a BlackBerry. Tout directeur qui a BlackBerry. Grand secrétaire, ou même, c'est Grand Limena. Salut Catherine. Oui, modèle de Limena. Oui, oui. Grand Limena, qui a BlackBerry. Donc, monsieur garde tout le monde dans Biwam qui a BlackBerry. Qui ça le fait? Et madame Niancette. L'Elvin, il dit, mais c'est un des noms de nous tous les Berry. Bah, nous, moi, je viens à Pamna, mais avec Belizia spécifiquement, Lensberry, lui. Divenois fait ça. Monsieur, il est Divenois. Divenois, il est petit, il y a Lensberry. Parce que tout le monde travaille à Gon Black. Les mêmes blagues qui blagues là, et bien le fond Lens, Lens par là c'est Lensberry, tellement BlackBerry t'a dominé marché à l'époque. Alors BlackBerry c'était gros gros tonton rival iPhone. À l'époque nous on a iPhone 1, iPhone 2, nous autres connaissons l'autre iPhone 6, 7, you know, non. BlackBerry pral prend des mauvais virages, pral prend des mauvais courbes, et bien BlackBerry pral perd du marché à. Et c'est Samsung avec son géant qui sorti dans la Corée du Sud, qui pral take over place BlackBerry. Alors marché ça, son marché fortement concurrentiel, marché téléphonie mobile. Alors juste garder pi fort gros gros tonton licence yo, pi fort brevet yo, deux compagnies gagnent yo pas existé parce que justement yo pas de prendre tournage là. C'est même bagaille qui arrive avec photographie numérique. Nous toutes nous te connons Kodak. So why is Kodak? The only Kodak that we know is black. Kodak black, prisonnier de son état et libéré par Trump de son état et haïtien également de son état. Ça passé là. Puis gros Kodak nous connaissons Kodak black, nous connaissons Kodak. Nous parlons Kodak. Mais Kodak, ce n'était pas le leader mondial. Kodak disposait pratiquement d'un monopole sous marché mondial là. Dans parole, fait photo. Mais Kodak prend mauvais virage. Eh bien, deux compagnies, ça, ou pas le prend mauvais virage. Ils n'ont pas de temps à aller dans le téléphone intelligent là. Ou pas le téléphone dans le compte intelligent qui est des nègres. On est qui vient commenter non là, par exemple. Moi-même, je ne sais pas si ça m'a parlé là. Ou pas de qui ça parle là pour commenter la donne. Ça veut dire que ça veut les idiots utiles. C'est ce que j'appelle les idiots utiles. Donc, ou est téléphone non, si j'ai un pied intelligent qui est ou pas, mais ne regarde le fait. Non, mais c'est bête. Si tu n'aimes pas, tu ne regardes pas. Mais tu regardes et tu dis que tu n'aimes pas. Eh bien, tu es attaché, tu es accro. Ah oui, ce sont les idiots utiles. On continue en même. Eh bien, Nokia et Motorola prennent un mauvais virage. Gardez plus fort brevet mon abservi. Plus fort patente mon abservi, licence mon abservi dans la téléphonie. Yo. Ma parle de gros compagnies iPhone, so we, la, Samsung, puis fort gros compagnies Z2 chinois. Eh bien, c'est Nokia avec Motorola gagné yo. Mais yo pas existé encore. Parce que justement, yo te prend un mauvais courbe. Alors que yo te gagne monopole sous marché téléphonie mobile là pratiquement. Bah, en Haïti, l'aigle la gade génératrice la lèle Delco. Ça gagne Delco qui tape populaire, Delco qui tape dominé. L'aigle la gade, ti glacier qui n'a maintenant. Oh, Thermos! Thermos. L'autre la gade, tiba y ka bal lignal di Coleman. Mais wap d'accord avec. Coleman nan se marque là. Mais monsieur, c'est ça seulement l'ouan even ka bal ti lignal. Donc, il est tout Coleman. Donc, même Salvin ou ek pa Coleman, yo tout rete Coleman. Coleman nan vin sa ouvre le nom générique. Et ça ou wap apprenne dans Géofoot la zon. Yak fem dou. Idiot utile yo, vore le yo. Wap pataye sa non, idiot utile yo. Et ti vole chili, al wap pataye ba y sa non. Go ti vole chili. Wap ou qui est-ce qui ti vole chili ya? Vous qui dit pas qu'on est non, et bien si t'es non, tu voles Chili, de quel cas c'est comme un Chilien, continue en même volume d'abord. Ok. Et bien ça passe en même. Gagne donc, une belle économie, une gros économie, que entreprise canadienne yo même yo représente, et yo pral créer donc des mastodontes qui pral des leaders dans un certain nombre de domaines. Alors BlackBerry perd 10 virages téléphone, BlackBerry toujours est ton compagnie important dans la cybersécurité. Là, nous allons dans CAE. CAE lui-même, qui n'a pas rôle, ZAM. Alors, nous allons parler de ZAM. En pile, nous allons parler de ZAM. Nous allons parler de 65 ou M4 qui fait ZAM. Si ZAM, ça y est, ZAM malheureux, ZAM, ça y est, pas cher. ZAM, ça y est, nous allons faire la caoula sous une imprimante 3D. Non, pas ZAM, ça va pas. Nous allons de bons ZAM. Soyez là, ce sont des hélicoptères de combat, des drones de combat, des avions de combat. ZAM, ça y est, ZAM qui cher. L'autre, nous allons faire le F-16 ou F-18. Zamam là c'est dans million de dollars lié, li font avion furtif. C'est dans parole million lié, li font missile Tomahawk. C'est non parole million lié zamam. Chaque tigre de missile yo la gè sous son million de dollars perdu. Donc si missile la tombe sous, dit bon Dieu, 1 million de dollars touyé.
un peu de respect pour le milieu. Vous connaissez qui dit console la gueule? Un peu de respect pour le milieu, mon cher. Ou mourir, mais son million de dollars tout. Missile Thomas ou là, son million de dollars vend. Il faut avoir un peu de respect. Ouais, tout n'est pas du mon cher frigidaire. Mais on a d'accord avec frigidaire là. Donc, monsieur, dans la tête, misaïe. Donc, réfrigérateur, monsieur, tout est le frigidaire. Le frigidaire là vient de passer comme un nom commun. Oui, nom commun de toutes choses qui ont glacé Tibaï, moi, pour moi. Voilà. Ok. Donc, c'est à eux lui-même, a fait ZAM. Donc, Canada, même si vous avez un bon petit visage en souriant, hein, mais vous êtes machin ZAM. Ça, c'est drone, nous, ouais, qui a circulé. Donc, drone, yo, généralement, il y a un drone, yo, c'est drone de combat, oui. Ah oui, l'armée, yo, il y a passé, il y a passé, il y a passé, il y a monté. Donc, tout ça, c'est canadien. Donc, c'est à eux, les mêmes qui sont en défense. Évidemment, industrie, ok, au Canada. Alors, ok, au Canada, donc, c'est pas anti-industrie, petit lié tout, non. Mais là, ma prenne un sport, m'a besoin de prendre là réellement. Mais Canada n'a pas prendre des Scotia Bank. Scotia Bank là, son banque qui est à l'échelle planétaire, d'ailleurs, n'est qui en Haïti, si m'a monté qu'on vend dans la ville là où t'as prendre Scotia Bank, Scotia Bank c'est tout près bon marché tête bœuf, tout près bon marché en fer, où t'es qu'on ouais Scotia Bank. Scotia Bank là, elle quitte Haïti, est-ce que c'est pas Unibank qui a acheté actif Lio? Unibank ou Sojibank qui a acheté actif Lio en Haïti? Il y a peine quitte Haïti, oui. Il y a moins que 5 à 6 ans depuis qu'il quitte Haïti. Donc Scotia Bank, si m'doul dans Haïti, ou Black Waven, son banque qui assez ou même jamais qui était City Bank qui était en Haïti. Est-ce que City Bank pas en Haïti toujours? Bah connais. Mais Scotia Bank à peine quitté Haïti. C'est-à-dire moins de 5 ans. Probablement 4 ans ou 3 ans que Scotia Bank gagne depuis le quitter Haïti. Alors pile crise n'a gagné, pile manifestation, fait Scotia Bank courir vin jonite dans mauvaise zone. Yon nan succursale li yote trouvé en bas la ville. Alors Canada, même dit Canada, désolé. Canada gagne un gros compagnie lui-même qui sont gros compagnie qui c'est transporteur aérien. J'ai dit là les Canadiens de Montréal va jouer, et ben les Canadiens de Montréal équipé OK préféré aller jouer. Donc un petit compagnie pa yo, alors petit compagnie a Air Canada. Air Canada c'est transporteur aérien. Alors faut faire différence là, et bon ici a comme c'est l'école qui gagne les pourtant on ba nous différence là, gagne transporteur, gagne constructeur. Canada gagne tous deux. Transporteur aérien, son compagnie qui achète avion. Par exemple, il achète avion, il dit, je fais vol Saint-Domingue-Bordeaux-Prince. Alors, Santo-Domingo, oui, Saint-Domingue-Bordeaux-Prince. Je fais vol La Havane-Santiago. Alors, Santiago du Chili. Je fais vol Santiago de los Caballeros, Mbakone et Punta Cana. Donc, son transporteur. C'est-à-dire, avion, il a servi à acheter, il achète avion sa yo. Il n'est pas constructeur. Ça dit c'est pas lui même qui fait avion, lui même qui assemble avion. Il est juste acheté pour le rouler. Par exemple, pour moun qui en Haïti, sous tes besoins à Miami là, ou après nous compte qu'on pas qu'à aller sur American Airlines. American Airlines va lui faire avion yo, et c'est justement va lui faire avion yo, c'est avion l'acheter. Et ben le bon retard de livraison non Boeing, pas oublier Boeing en difficulté. Boeing son constructeur avion américain. Sinon même American Airlines acheter avion sa yo. Eh bien, avion pour aller en Haïti, il y a beaucoup d'avions. Hein? Comme Haïti n'a pas en ligne prioritaire, parce que nous comprenons, oui, sous 4 là, compagnie aérienne en Haïti, il y a une fois au vont faire 2-3 mois petit cob sur Haïti. Alors, il y a deux raisons qui font quelques là de côté de Haïti, mais je préfère pas qu'il y en public. Non, non, ça va dans l'école là, ça sont l'autre aspect. Li. Mais, avion pour aller en Haïti vite, on avion pas un monde, son avion pas rentable. Alors, comme l'avion à tête ou le style pas rentable, donc, vous faites le voler quand même pour qu'il y ait destination. Donc, American Airlines, le labga des destinations qui relie Port-au-Prince, là. Labga des destinations, par exemple, Santo Domingo ou bien Punta Cana. Si vous avez 5 avions et 4 bali, qui sont quoi l'a supprimé? Eh bien, ça l'a supprimé, à l'époque, tant tout gagne, oui. L'a supprimé, vol Port-au-Prince, yo. Parce que Port-au-Prince, pas grand monde bal Port-au-Prince, qui monde bal Port-au-Prince? Pas grand monde bal Port-au-Prince, donc, l'a supprimé Port-au-Prince, là. Alors, on va pas les bail réel, oui. American Airlines, donc, supprimé, yon nan vol, l'a te gagne. Port-au-Prince qui t'a sorti moi quoi en Floride. Donc il supprime vol ça parce que ligne pas rentable assez pour annuler l'autre côté. Donc il fait annuler pas Haïti au lieu l'annuler on l'autre côté. Donc c'est Haïti qui paye retard que constructeur Boeing qui t'a gagné avion accident, t'es gon paquet avion cloué au sol. Donc t'es gagné ti enquête cap fait ti bail cap fait. Donc Boeing bal retard dans avion il a pour mettre lio et ben tout campé pas Haïti. Et ben c'est différent ça gagne donc transporteur et constructeur. Donc ça c'est un transporteur aérien, m'a parlé là de Air Canada
Air Canada, c'est un transporteur aérien et c'est un majeur qui gagne à l'échelle mondiale. C'est-à-dire Air Canada, tout qu'on vit en Haïti, pourquoi c'était le mardi et le vendredi, si mes wamba fait défaut, que Air Canada t'est convenu en Haïti. Alors, bon, petit avion, oui, alors, il manque prendre un monde, même j'ai avec mon sérieux, vous voulez qu'ils disent qu'est-ce qui mon sérieux. Vous avez sous besoin à l'aise dans l'avion, mouté Emirates, mouté Qatar Airways, avion, moun qui va le. Moun Moyen-Orient. Vous respectez moun, si tout l'on paye cher, vous respectez moun, vous prenez un monde. Il va garder mon sous l'apparence même. Oh non, oh non. Si un black est là, c'est un grand black. Yo respecte moun, pren kaw. De temps en temps, yo vin jonti kozé. De temps en temps, yo passe un petit bouteille bokoto. Moun sérieux, moun éclairé. Oui, gonne ki di konso la gueule Fernando. Oh, moun jou sa dan, moun yo pren ka moun. Oh mon cher, ou gen quoi vous en même, mouté Emirates, mouté Qatar Airways, ou sa mdou la ou chita. Bon, si mal est mal ou ka pren Turkish Airways, mais Qatar Airways, Emirates. Et bah, ça au monte, vous croisez bois et vous songez l'autre dans misé. Oui, bah, ça vous commencez à oublier, vous songez. Oh, si vous êtes en marcher sous la lia à pied, oui, vous êtes passé, ma baba, vous dites, quoi, écoutez la lia, il y a encore. Passez là, comme je disais, vous connaissez ça sous gain, on continue ça même. Donc, Canada, c'est le pays qui va être grande banque, ça tout, qui c'est Scotia Bank, donc Nova Scotia. Alors, qui nous trouve Nova Scotia, donc Scotia Bank. Ça, son constructeur. Des vrais exemples avec nous, transporteur aérien. Et mais ça, son constructeur. C'est-à-dire, compagnie, ça fait avion. Alors, il fait avion dans le civil comme dans le militaire. Il fait avion pour le vendre avec l'armée. Il fait avion tout le monde avec grand nègre. C'est-à-dire, les ports dans le monde. Je ne vais pas parler de Timaleur dans le groupe, non? Les ports dans le monde, 100 millions, 200 millions. Ou cache ton avion pour 3 millions de dollars? Ou cache ton avion pour 4 millions de dollars? Ou ça me dit là? Ou cache ton petit jet? Hello, Ronaldo, Kodo est là. Et ou tu rombion et Porto? Et même si Porto. Et ou tu rombion Lisbonne? Et bien, ok, ma privé sous. Dans combien de temps? Ah, m'a pris 5 dans la route, 6 dans la route. Ou dit Ronaldo a pris des souli. Ou bien c'est qui Ronaldo, même qui Ronaldo. Comment Ronaldo qu'on est? Cristiano, mon cher, est-ce que l'autre Ronaldo a gagné avion? Non, m'a pas gagné avion. On a pas parlé de Cristiano. Ou disant moi, vini. Et vous vivez en même. Oh, mon Abdoula. Oui, oui. Allô, oui. On part dans 30 minutes. Oui, oui. Après, c'est là, vous avez travaillé à Viaté, vous avez fait travailler. Vous avez un reportage. Et bien, Bombardier, lui-même fait avion. Pour le vendre à des multimillionnaires, à des multimilliardaires, tout, pour le vendre tout avec des pays. Donc, c'est là. Et Bombardier fait jet tout, jet privé. Mon équipe, c'est la jet set. Donc, c'est là, m'a envie d'entrer dans jet set là, regardez. Là, dans le matériel. Ou elle, l'autre a réuni, l'autre a fait un live. Ou t'a expliqué, mon yo, c'est quoi le live dans l'air. Donc, c'est là, m'a fait un live en l'air, comment ça a été parlé. Nous, m'a parlé de pays qui a été, non, mon chien, m'a dit, c'est quoi le live dans l'air. Donc, c'est là, j'ai mis un remède, j'ai dit, bon, Fernando. Oh, zamam, dans les zamam non avion qu'on s'en a fait live, et bien, je vais vous parler de la lune, je vais vous parler du soleil, les planètes, les galaxies, les différents mondes. Quoi c'est là? Oh, bah des petits causes de gain, non en physique. Bah le petit causes physique mon cher, les lois de l'aérodynamique. Et bien ça quoi c'est là? Qui les m'a payé? Mes amis, et on les mieux ou pas dit m'a mal parlé. On a les volumes liés, s'il vous plaît. Et bien Canada tout gain un gros tonton industrie cinématographique et gain un gros tonton production cinématographique. Alors Lionsgate c'est un leader mondial qui gagne. Alors Timoun, de bout Timoun, des films balcons sur continu film là. Gang. Oui. Et qu'on s'allie. Alors Bombardier qui a fait avion. Donc il a fait avion. Il a présenté ton modèle. Donc il a invité la presse. Vin gadi. Alors compagnie film Canada. Donc nous ouais, ils font pas qu'être bons petits films que nous connais, des acteurs nous connais. Ça c'est IMAX, ça c'est Deux Courriers. Donc Lionsgate lui-même c'est un gros tonton leader mondial que lié dans affaire production cinématographique. Donc le Canada pas gagne Hollywood, mais yo pas pi mal que ça, yo pas pi Marie, yo pas pi Bridgen, yo pas pi Achichi. Donc là c'est Morgan Freeman là c'est dans Hitman's Wife Bodyguard. Donc moi Samuel Jackson, donc c'est gros tonton production à la manière de Hollywood. Là sont l'autre transporteur aérien qui sortit dans pays Canada. Qui conduit en Haïti tout, c'est Air Transat. Air Transat, donc son transporteur aérien. C'est-à-dire une compagnie qui a fait vol, soit Montréal vers New York, soit Ontario vers New York. Alors, même si Ontario dans un aéroport, dans la zone Toronto, l'autre côté, ça me connaît dans le reportage. En tout cas, Air Transat, lui-même, c'est une compagnie qui sont transporteurs aériens canadiens. OK. Donc, on a regardé, c'est pas une économie petite, puisque Air Transat, son gros tonton, mastodonte lié tout dans parole transport aérien. Donc Canada tout son pays accueille en pile touristes, son pays moun remen pour les bonnes raisons comme pour les mauvaises raisons ou bien pour des raisons non connues ou bien pour des raisons méconnues, mais le Canada c'est très très beau, très très accueillant.
également alors gon bay qui bizarre dans Canada m pa chanm comprendre pour qui ça le plus facile pour Canada soit Haïti ou besoin vivre canadien la plus facile pour vivre Canada que bon visa pour visiter Canada m'a konn si nous comprendre ça me dit non en tant que haïtien sous formé ou besoin al Canada soit pour l'école pour vivre la plus facile pour que pour bon visa pour visiter Canada. Ça dit sous besoin d'étudier Canada la plus facile pour visa étudiant que bon visa touriste. Bizarroïde, très bizarre. Canada tout compte bay des chefs en Haïti refus parce que dit à chef ça t'est passé dans tel massacre, il a violé droit moun. Alors monsieur Isaac fait ça fait plus scandale là. Moi c'est Jacques Edouard Alexis. Oui, Canada t'est bay refus carrément. Canada, très spécial comme pays, très bizarre. Oui, pas j'aime comprendre ça. Et puis Canada toujours équipe papi Mado. Et Canada pas fait bien États-Unis non? Ouais, États-Unis nous cal bay Tissimonio. Vous voulez que je me dise que c'est Jocelyn. Ouais, quand je vais me parler, je vais parler le public. Ouais, je vais parler, je vais me parler. Monsieur a demandé qui s'est créé Jocelyn. Même étoile ou pas dans mon live, vous leur posez question. Même étoile ou pas dans mon live. Et bien, Jocelyn, c'est l'offre fake. C'est l'offre vieille papier. Ou moutre papier quand on a 6 business alors que dans mon cas, il y a un abdomen. Ou fait papier quand on moutre, mais qui va aller vers vous posséder. Ah oui, il y a 4 cas dans Delma, 5 cas dans Pétionville. Alors que c'est un homme, c'est dans un bout de chambre qui a un abdomen. Ça gagne, on fait et ça ou les Tijostin, on bat les palais et vous faites mon dandé. Donc Tijostin yo ou pas forcément kabayo pour ambassade Canada pour consulat Canada. Pour qui ça? Parce que Canada prend 100 vrai pour l'étudier pièce yo. Pas les États-Unis c'est jour rendez-vous là aller. Consulat c'est sous prérequis dossier ou t'es rempli ya. Gen moun alors, m'a pas le système dans tout en avance. Oui. Donc consulat fait être une idée de sorte de présenter yo. S'il besoin confirmation, la posons question. Pour Canada, non. Canada, ou va le déposer bureau, ou va le déposer dossier, ou va le dire bureau, désolé, ou va le déposer dossier, ou gon bureau, ou gen Pétionville, l'or fin mouté mon canapé vert là, et bien c'est l'or le déposer dossier, ou non agence, et lui-même, yo voye ou bay consulat prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, le temps qu'il faut, pour yo vérifier dossier, pour yo relayer tel côté à gauche, à droite, pour yo garder est-ce qu'il n'y a pas, pour yo bay yo bon. Alors généralement, l'or fait demande, visa touriste Canada, ou 95% chance réellement pour yon bon refus parce que Canada vit n'importe si détail n'importe si ouais toute bagaille normalement de l'aide d'hébergement c'est là ma couette là-bas donc gardez les va au Canada ou ka gen impression c'est dans paradis ou tout aller tellement Canada a mando papier vos amis différents nous pas la gueule comme ça vous on va parler non ouais nèg la qui fait me dire Jocelyn on va parler ça que le petit Jocelyn là monsieur grand Simon vous avez fait moi moi le petit Jocelyn. Mes amis, il faut me faire l'explication. Je suis obligé de faire l'école. L'école, il va éviter d'étudier, poser des questions. Je suis obligé de faire l'étudier. Il n'y a pas de l'école là, oui, mais on est le guetant là. Le guetant là, on est obligé de faire. Donc, Canada, il y a un pile en pile pays africain qui reproche Canada ou dit Canada fait ça ou les pillages cerveau dans le pays. Ça passe dans les qui forment la République démocratique Congo. Canada a intérêt à se prendre. Canada fait le vin facile, fait le vin habité. Bal avantage nèg ki formé en Haïti a juste garder qui valait cadre nous gagner qui courir qui Haïti Canada courir accueillir de pour former en même Canada en vivre Canada bien content bon ouais visa touriste de bon refuge OK qu'on y a fond l'autre calcul a demandé on gens pour immigrer au Canada pendant on regarder chute Niagara pour Canada courir bon quelque passer l'ogé diplôme en même y a chercher ingénieur pas joindre y a chercher mathématicien pas joindre y a chercher physicien pas joindre. Non, mouche, ou gogo, compétence technique. Non, mouche, ça passe là, ou besoin, parce qu'on lit. Donc, Canada accueille en pile, communauté étrangère, que ce soit mon dieu, dans le sous-continent indien, d'ailleurs, il y a un paquet de SIC, dans le pays Canada, d'ailleurs, il y a un gouvernement, un paquet africain, en pile haïtien. Alors, d'un côté, c'est très bon, parce que le pays, ça a eu des fois, problèmes politiques, crise économique, violence, donc, on y a le caché. Mais de l'autre côté, posez des questions. Haïti formé mounan. Est-ce que mon nom c'est via Haïti? Alors moi-même Haïti va raciter nom d'aide. Moi même paye Haïti dette moi. Haïti c'est Haïti faut même payer Haïti. Bad Haïti rien. Oui, me paye dette moi net moi même. Pareil moi me servir pays. Mes investissements dans pays est toujours là. Donc moi même paye dette moi. Moi Haïti nous quitte. Tout ce qu'on va faire là c'est bénéfice pour Haïti. Moi Haïti nous quitte. Parce que comment pas quitter avec là parce que m'balise même. Gen moun ki pa bali même, non gen nèg ki fini là. Yo passe dans l'école nationale. Alors moi me passe l'école nationale, là, vous me dire ça. Yo passe l'école nationale. Ensuite, il y a le lycée. Le fini, il y a l'université, l'État. Après ça, l'État va en bourse. Il y a même fait doctorat à bourse, l'État. Quand il y a l'État, pour dire que tu as venu, tu as l'autre pays.
C'est-à-dire Haïti fait 20 ans payer pour formation yo. Yo ba Haïti on joue même. Même on joue contribution. Ouais, moun bagasse de mdè, de mouche, m'entre dans l'état 13 000 goud. Salem dans l'état 19 000 goud. Ensuite, le mal quitte première fois, m'quitte à 23 000 goud. Le m'quitte dernière fois, là, m'quitte à 34 000 goud. Donc, ouais, l'état bagasse de mdè, de m'fè l'état. Ou pas qu'être favem, travail pour l'état pour 19 000 goud, pour 20 000 goud, 34 000 goud. Ça, ou m'de gagne ou la gagne moi. Donc, ouais, l'état nous quitte. Voilà. On est quitte, Canada, son paradis sur terre. Alors, m'bak au paradis a existé aucun côté. M'bak utilise expression là. M'a juste dit, Canada, c'est un très très beau pays. Assez accueillant, voilà, l'affaire est entendue, et parce que mon paradis, on est, m'a servi avec concept qui est le concept paradis, et parce que moi, je juge dans la tête, moi, seul paradis, c'est paradis, mon Dieu, gagne. Ok, voilà, vous m'avez dit, me faites un monde, ça est emmerdant. Non, Canada est emmerdant, les appels de rempli dossier, c'est très, très emmerdant. Et puis, Canada, son paquet méga star, moi, je connais Drake, hello Drake, ça qu'a fait. Drake qui était commencé donc avec YMCMB, Young Money, Cash Money, Billionaire, Drake. Et oui, et Asseti Boyfriend, oui, Asseti Boyfriend, et l'autre madame, non, Rihanna, en tout cas, c'est pays tout, Justin Bieber qui démarre tout petit tout, les Osher Albrun, monsieur, donc tout petit, Justin Bieber, donc qui sorti Canada, le évidemment, qu'on y a la vie Los Angeles, Mbakwe, là, le Canada, plus facile que ça, mais Justin Bieber, c'est lui-même tout, Air Canada, oui, c'est Canada qui transporte, c'est Canada, yous aussi, donc Canada, bah, un paquet d'acteurs, un paquet d'actrices, qui très, très, très connu, alors, moi, un acteur canadien, yo. Acteur préféré, moi, hein, c'est pas l'autre. Et tout le monde connaît, mais Jack Bauer, de vous connaître, vous avez tout le temps à parler de Jack Bauer, et mais Jack Bauer, son nom, c'est le Kiefer Sutherland qui fait Jack Bauer, et moi-même, pas cabaret, mais Jack Bauer, voilà l'homme, voici l'homme, c'est l'homme, Dondonolier, et mais Jack Bauer, Kiefer Sutherland, et mais Kiefer Sutherland, lui-même, lui sorti donc, dans le pays Canada, alors par contre, si jeune fille qui grandit en Haïti, qui parle, mais Céline Dion, et moi-même, sous le vent, et gaou, ça me connaît, ça en tout cas, je vais voir pour me chanter. Donc, Canada, bah, on paquette de belles acteurs, on paquette de belles actrices, et gogo, tonton chanteur. Alors, dans les années 90, toute petite jeune fille en Haïti, tape chanter Céline Dion, et my heart will go, yeah, ça oui, my heart will. Comment musique là? Musique là pour Titanic là, oui, regardez. En tout cas, Céline est mourue deux fois. Non, elle n'est pas mourue, non, c'est Marie-La qui mourue. Ok, oui, Nick mourue. Excusez-moi, Céline, regardez, bon, oubliez cette musique là. Ok, donc Céline Dion, donc on paquette vraiment dividal. Alors, quand toujours on est ça, américain, oui, parce qu'il faut là, devoir vivre Los Angeles, à l'État-Unis. Céline Dion, font paquette de temps jouer Las Vegas. Alors, Céline Dion, ça fait le chant en français. Donc, on comprend, et ça fait plus facile comprendre que le sorti Canada, parce que Céline Dion chante en français. Alors, Canada, tout, bail des champions. Alors, sport national Canada, c'est pas football, je veux dire, il y a football qui a joué, mais sport national, là, c'est hockey sur glace. D'ailleurs, il y a une petite particularité, mais par contre, si nous comme ça, championnat, hockey sur glace, la NHL, la NHL, là, plus que 50% d'un joueur qui a joué à l'année, c'est un joueur qui sorti dans le pays Canada, qui sorti Canada. Même le, nous avons Amérique ou play équipe la donne tout, mais Canadien yo, gen plus joueur. C'est-à-dire, même dans l'équipe américain yo, eh bien, on paquet Canadien. Évidemment, nèg qui dans zone francophone, yo côté famille mieux, m'a salué Alice, oh, en tout cas, m'a salué Chloé, m'a salué, et Tati Sonia, hello Joe, oui, en tout cas, et toute connexion Canada, non, et oui, yo même, y a chauffé donc, les Canadiens de Montréal, qui c'est qui zone la caillou. Alors, évidemment, presque toute grande ville dans le pays Canada, alors on va parler de grandes villes qui respectent tête, yo tout net, gagne équipe non NFL, là, que ce soit Toronto, que ce soit Vancouver, nous autres parler là de Montréal, que ce soit Ottawa, Calgary, Edmonton, ou bien Winnipeg, yo tout gagne équipe qui a évolué dans NHL, c'est National Hockey League, en fait, qui réunit équipe aux États-Unis et équipe Canada, et c'est même genre tout. Par exemple, pour NBA, qui est championnat basket nord-américain, il y a une équipe qui sortit Canada en franchise. Blanc et sa franchise, donc en franchise, qui sortit dans le pays Canada, qui c'est Toronto Raptors. Pas oublier Toronto Raptors, c'est lui-même qui était champion. Hein? Et c'est lui-même qui était champion. Et il y a deux, non, trois ans. Il y a trois ans de cela, c'est lui-même qui était champion. Et pas oublier tout, Toronto te recevoir All-Star Game 2016. Yo. D'ailleurs, pour MLS, là, alors, nous sommes dans Toronto Raptors, mais dans le football, là, tout, championnat, yo gagne, qui c'est ça, où ils ont ligue fermée. C'est-à-dire, pas gagne descendre dans le premier, pas gagne descendre dans la deuxième division, monter dans la première division, pas gagne ça. Eh bien, trois franchises qui sortent dans le pays Canada, ont joué
dans MLS là, MLS là, c'est Major League Soccer là, Major League Soccer là, qui sont championnats, qui sont ligues fermées que pays États-Unis gagnent. Il va même dire avec championnat en Europe, you know, mais même ils sont ligues fermées. Eh bien, il y a trois équipes là-dedans. Il y a Toronto, il y a Whitecaps qui sont de Vancouver et il y a Impact de Montréal. Impact de Montréal m'a demandé qui haïtien était avec plusieurs fois qui haïtien qui était joué dans l'Impact de Montréal là. Parce que les petits voleurs 99, 2000, 2001, t'es un joueur haïtien qui était sauté dans le Gold Cup qui était joué un contrat ou bien stage salarié dans l'Impact de Montréal. M'a demandé tête-moi, est-ce que c'est pas Sébastien Vob à chaque fois, même Benjamin Ronet, réellement. En tout cas, ça y est, c'est l'équipe qui a joué tout dans le championnat américain. Donc là, nous avons Toronto Blue Jays. Toronto Blue Jays, là, nous avons c'est baseball. Donc nous c'est baseball, donc pays extrêmement lié, économie extrêmement lié. Et puis là, alors que je m'a parlé de sport là, franchise m'a parlé, ce sont des mastodontes économiques. Toronto sont gros tonton l'argent. Les Canadiens de Montréal sont gros tonton l'argent. C'est-à-dire un paquet de merchandising, un gros stade, droit télévision. C'est-à-dire Batiba et petit c'est gros tonton l'argent m'a parlé, pas lié OK à moins du les plus canadiens que américains. Les plus canadiens que américains en tout cas, très souvent équipe Canada yo brille tout. Alors, sport d'hiver, extrêmement populaire dans le pays Canada. Sport d'hiver, extrêmement populaire dans le pays Canada. Tout, parce que Canada, justement, il y a une neige qui a tombé, snow qui a tombé, qui a emmerdé les gens. Et bien, si les gens jouent pendant que les gens jouent, tout apprennent. Ils tout apprennent et bien, tout qu'on joue. Donc, l'on regarde les Jeux Olympiques d'hiver, ou après Canada capable de rivaliser avec les pays nordiques, tant que Norvège, tant que Finlande, tant que la Suède. Ça fait ça parce que oui, il y a neige, neige. Alors là, Canada, tout bail quelques petits pieds marins dans le football qui te bat moins. Et nous, David, c'était bat moins. Nous, Davis, c'était bat moins. Alfonso Davis, en tout cas, et gros paquet de nègres dans Canada, donc Cabrier, Kounia dans le football là. Gardez, tu vois, les sacs, tu bat ici, monsieur, même à jouer Ligue des Champions, le champion. Et pas mal de ceux qui m'ont dit champion, dans la bouche, je ne connais pas. Si Barcelone, tu es bravato, si Paris, si jamais tu es bravato, pas si tu es nommé d'homme. Je dis, pour la paix, moi-même. Je veux dire, pour la paix, et bien, dans le bouche, on a connaît Barcelone, te prend un petit bagay, yore, le V8, bagay V8, là, non, V1, on V0. Alors, la vie drôle, papa. Le bagay V8, si son V0 gagne, et bien, pas de problème, on prend V0, et bien, tout le monde qui gagne V8, non, papa, le bagay V8, on prend V0. Donc, moi-même, là, moi, prend petit V0, parce que moi-même, moi, pas gagne V8. En tout cas, Canada, son gros tonton pays sport, en grande nation sportive. Alors, Keanu Reeves qui sont acteurs que m'aime en pile tout, Keanu Reeves lui même tout sorti Canada. Keanu Reeves c'est Matrix. Si jeune qui lève dans génération pas maintenant, nous toujours gen timbo nous dans bouche nous, la Matrix est un monde imaginaire. Oui, nous te rien Matrix en pile, sorti dans Matrix, dans la Matrix Reload, dans la trilogie, oh là là. Alors qu'on y a là m'espérer 4e Matrix là ba moins vite non, m'attend non, oui, m'attend. En tout cas, Canada bay un paquet méga star, un paquet de domaine, c'est soft power Canada ça, donc petite puissance douce là, c'est Céline Dion que toute petite jeune fille en Haïti connaît et puis l'autant des dieux qui a cherché. Oui, ça a cherché comme ça, oui. Bon Dieu dit pour aider monde. Bon Dieu dit pour aider monde. Bon Dieu dit pour aider en pile monde. Donc c'est ça Dieu qui a fait, elle a cherché monde pour l'aider. Et puis dans mon lit aidé, elle lui fait ma ami, il zoukebe ça dans mon. Oui, il zoukebe ça dans mon. En tout cas, Canada, ba nous Jim Carrey, tout Jim Carrey, l'autre petit monde, c'était le masque qui t'a fait nous rire en pile. C'était macaque en pile dans le film, mais il était very funny. Jim Carrey, Mr Bean et monsieur Sayo sont l'autre niveau dans la comédie. Ils ont pas besoin de faire pile bagaille, des gestes très très simples. Jim Carrey parlait lui-même, Mr Bean généralement pas parlé. Mr Bean, Jim Carrey, next euphorie en pile. Alors Jim Carrey lui-même sorti donc dans pays Canada. OK. Non, quittez ça. Moi même pas aucun bel garçon là, seul bel garçon qui est dans la live là, il donne dodo. Pas passer là. Allez connou la bonne Simon et puis évidemment, il y a Garou sous le vent. Moi même si c'était pour chanter, me dit nous ça déjà me tape dans chômage. Alors Canada ba un paquet de gros tonton écrivain tout là, c'est l'Académie française. Au carré, il c'est pour lier, mais pour Canada tout. Madame ça tout c'est Michael Jean. Ou ka di se pou li en Haïti, mais pour Canada tout. Nous sommes trouvés là, écrivain canadien, qui c'est écrivain haïtien, mais qui est écrivain canadien. Nous sommes trouvés là, ancien gouverneur général Canada, qui lui-même c'est haïtien tout. Oui, Canada kaba ou yo, Canada kabre yo, Canada prend liba ou. Et oui, comme on dit, et c'est comme ça. Donc là, c'est Dani Laferrière, l'écrivain canadien, ou bien l'écrivain haïtien. Évidemment, c'est Matrix. Oh là là! Aïe! La Keanu Reeves, en tout cas, et. Aïe! En tout cas,
pas un problème. Puis, tu m'as cherché un petit Matrix, si tu regardes, la Matrix, c'est un monde imaginaire. C'était très, très beau, très, 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 très beau. C'était au début des années 2000. On était probablement soit en 99 ou en 2000. Et c'est un film que plus fait folie pour lui, plus remet. Alors, qui fait plus volant les tout, même avec Equilibrium. Aïe, aïe, aïe. Ouh, c'est le Canada. C'est le Canada. Et Fernando, et qu'est-ce qu'on dit après le... Bonjour, bonsoir. Dépendamment de qui côté va suivre nous, dépendamment de qui côté va regarder nous, c'est Fernando Estimé, content de la caillou. Pour nouvelle sortie, GeoFoot. Alors, je dis à ma propre feeling, moi, GeoFoot. Et en pile, GeoFoot. Alors, Canada qui sont pays accueilli en pile, vraiment là, en pile haïtien. Son pays au moins soit haïtien, on foi dans vie ou autant de parler de Canada, autant de on foi que Odjou, qui sa Canada. Et bien, je dis à ma propre de Canada. Donc je dis à côté Canada donc a joué dans cadre compétition ça donc tout profiter du prétexte ça pour me faire visiter Canada. Alors Canada son pays en pile là nous connaît. Son pays tout en pile haïtien remé, son pays tout en pile monde sous la terre généralement quelconque pour me préciser remé. Alors gonne kizib Fernando qui l'a fougé au foot Haïti. Non. Ma chita kounya pou mte do kap fonje ou fout Haïti. Oui, va y ma bon Canada kounya ou bon Haïti ya. Ok? Oui. Alors pays ya, c'est Canada. Canada, c'est yon royaume. Capital là, c'est Ottawa. Canada qui divise en un certain nombre de provinces. Mkwè c'est 10 provinces. Donc nous pral visiter avec ou là. Canada, nous pral fowe. Ki sa ki Canada. Donc pou kapab fè connaissance avec pays ça, le Canada. Ah oui, Zamiari, mais réponse moyen, Zamiari, mais réponse moyen. Alors le Canada, c'est drapeau ça, un drapeau qui est assez connu à travers le monde, et un drapeau que moun remet. Alors Canada, il y a plus moun remet que États-Unis pour me dire la vérité. Ça qui passe, Canada pas jamais remet par les fonds de bagay moun. Yo pale, oui, yo là en bas. Oui, yo là en bas. Si m'de wè 11 ans, m'da p'di Canadien, ou sous noir, oui. Et bien Canada, son drapeau ka c'est connu, rouge et blanc, donc tout le monde capable remarquer assez facilement, parce que drapeau a assez connu. M'a parlé là de yon royaume. Royaume, c'est-à-dire son monarchie. Un monarchie, donc son roi, ou bien son reine, kap dirige l. Ou ça m'dou là, par exemple, alors Jovenel Moïse mouri lui-même, pas qu'après un exemple et pour Haïti, mais et, en règle normale, c'est-à-dire Kounya là, t'as supposé que président en Haïti. Donc Haïti gon régime présidentiel, alors pas nous c'est semi-présidentiel parce que premier ministre l'an gagne en pile pouvoir. Alors c'est un cas particulier l'an mort président Jovenel Moïse qui fait nous pas de gagne un président en fonction. But généralement quelconque Haïti donc son régime présidentiel, alors yo dit le semi-présidentiel parce que régime dans le gagne président, le gagne premier ministre. Gagne l'autre pays par exemple les États-Unis, son régime présidentiel strict. Donc président c'est le gain pouvoir, c'est président qui dirige action gouvernementale là. En Haïti, on dit semi-président, c'est parce que le premier ministre a pile pouvoir, même si président toujours nommé en pile directeur général qui veut même pour le mettre dans la politique là toujours. OK. Donc pour Canada lui-même n'a parlé là de monarchie. Donc son monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire c'est pas comme si son droit divin net capable appliquer roi fait salver les salvi vite. Non. Roi son pouvoir donc uniquement presque protocolaire. Donc, n'a parlé là de monarchie. Monarchie a donc son roi ou bien reine qui a dirigé. Donc, nous allons voir devant c'est reine Elisabeth II. Reine Elisabeth II, c'est reine d'Angleterre là. Donc, il n'est pas présent en Amérique. Donc, il y a Mouni qui représente. Le Souven Salam, c'est Marie Simon qui représente. Donc, c'est comme ça, lié généralement quelconque. Et c'est premier ministre là. En l'occurrence, pour le Canada actuellement, c'est Justin Trudeau. Donc, c'est Justin Trudeau qui a dirigé. PIA, c'est lui-même qui a dit, mon cher, fait X, fait Y, fait Z pour qu'il soit un tel bagage. Alors, Canada, tout son province, donc pouvoir séparé, et pouvoir fédéral là, Justin Trudeau vient pouvoir parler, mais les qui Québec là, ils bossent la caille. Nous, c'est grand monde, donc nous, il faut comprendre, les qui Ontario, ils ont tijan bossent la caille tout. Ça veut dire pouvoir yo, gagner au niveau provincial, non pouvoir yo. Donc, on allait le Canada. Alors, le Canada, c'est image n'a regardé là, donc ces territoires ça un gros tonton territoire, c'est ça n'ta carré un mastodonte. Donc le Canada qui voisin États-Unis de bord et qui ont tijan tout voisin Danemark, parce que Groenland pas tellement loin ni, donc Canada qui voisin États-Unis de bord, voilà.
Donc ça c'est carte géographique Canada. Canada qui c'est deuxième pays qui plus gros qui gagne sous la terre. Canada, donc c'est deuxième pays qui plus gros qui gagne sous la terre. Bon seul pays qui a plus territoire parce que c'est la Russie, c'est Fédération de Russie. C'est-à-dire Canada presque lui même rive à 10 millions. C'est-à-dire Canada presque rive avec 10 millions de kilomètres carrés. Canada c'est 9,984,670 kilomètres carrés. Alors la Russie presque a fait deux fois le tout, faut préciser, parce que la Russie lui-même c'est plus de 17 millions de kilomètres carrés. Je parle de la Fédération de Russie, qui pas tellement loin Canada en l'air non pour l'or là tout. OK. Donc Canada, c'est un royaume, c'est-à-dire son monarchie, son roi qui a dirigé ou bien reine en l'occurrence Kounia, son reine, mais très bientôt ça va être un roi parce que dans monde qui dans ligne succession pour trop non, pas gagne un fille qui bien placé. Donc monde qui bien placé yo, c'est papa Harry, donc c'est prince Charles. Et petit prince Charles et petit prince Charles, donc trois garçons qui dans ligne qui succession qui pour succéder avec madame ça Nouella qui c'est sa majesté la reine Elisabeth II. Elisabeth II qui c'est donc chef d'état pays Canada, c'est-à-dire c'est lui chef d'état. Par exemple en Haïti avant l'embauche Jovenel Moïse, donc c'est Jovenel Moïse qui était chef d'état, c'est-à-dire président. Alors chef d'état qui a plusieurs titres, il y a le droit duc, il y a le droit prince sérénissime, il y a le droit roi, il y a le droit reine, il y a le droit président. Alors ça au gain Omar Abdoula, donc c'est système là qui a dit mon cher, mais qui titre l'a gain, mais en l'occurrence c'est lui chef d'état. Donc Jovenel Moïse c'était président, il était chef d'état. Et bien reine Elisabeth II c'est reine, le chef d'état. Roi Salman en Arabie Saoudite c'est roi, le chef d'état. Duc qui a dirigé Luxembourg là c'est un duc, donc l'a dirigé un grand duché, lui c'est chef d'état. Prince sérénissime qui a dirigé Monaco, donc son principauté pays a, donc son principauté, donc son prince qui a dirigé, mais lui c'est chef d'état. Nous prenons cela, donc il c'est chef d'état qui peut avoir un titre roi, reine, prince, duc. Ça va aller de qui ça l'a dirigé, hein? Donc il c'est chef d'État. Mais son Gébrier Bombano, chef d'État, c'est vrai, il c'est chef d'État, mais pouvoir le gagner, c'est un pouvoir protocolaire. C'est-à-dire c'est pas lui-même qui a dirigé action gouvernement réellement. Mon qui a dirigé au Canada, c'est alors le jeune conseil en Rodol qui était Babli Poussé, c'est Justin Trudeau. Justin Trudeau, c'est lui-même qui est premier ministre pays Canada, là c'est avec voisin Donald Trump. Alors, à l'époque, l'image ça dépend, donc c'est Donald Trump qui était probablement président des États-Unis. Alors, comme Ren n'a pas là, Ren n'a nommé gouverneur général là pour Canada, c'est Mary Simon, et bien Mary Simon, ou bien j'ai dit la Marie Simon, et bien c'est Marie Simon, c'est lui-même qui a joué le gouverneur général là, donc représentant Ren n'a. Là c'est Justin Trudeau, donc qui est en réunion avec d'autres responsables européen. Donc Justin Trudeau, c'est lui-même tout qui a dirigé donc action gouvernementale là, c'est lui-même qui gagne ministre affaires étrangères, l'a passé ministre affaires étrangères l'autre. Est-ce qu'on doit reconnaître tel gouvernement en Haïti, tel gouvernement au Sénégal, tel gouvernement au Cameroun? C'est lui-même qui connaît qui l'a vienne Canada pour ça. Oui, les gens ont décidé leur frontière. Et de fait, l'été leur frontière là, ouais qui va les difficultés t'a gagné pour sortir États-Unis, sous pas gagné on urgence à prévenir pour aller Canada. Oui, parce que c'est lui justement qui chef là, c'est dans le sommet G7. G7 que vous dit qui réunit 7 pays qui puis industrialisés. Alors, on dit Yodi, parce que c'est pas vrai, c'est ancien bossier. Alors là, lui-même, c'est Justin Trudeau avec on l'autre monde que Elisabeth a dirigé la caille tout. Là, c'est avec Boris Johnson. Boris Johnson, c'est premier ministre britannique, là, la reine d'Angleterre. Donc, c'est reine qui a dirigé United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. C'est-à-dire le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, eh bien c'est même chef d'État, tous les deux pays ça a eu gain. Alors, bien non, c'est deux pays indépendants. Canada, c'est un pays indépendant. Royaume-Uni, c'est un pays indépendant. C'est pas un seul pays allié, non? Non. Yo, chaque, c'est un pays. C'est-à-dire le Canada est un pays indépendant, le Royaume-Uni est un pays indépendant. Il se trouve que chef d'État qui a dirigé, c'est chef d'État qui a dirigé plus pays bien sous la terre. C'est-à-dire, reine d'Angleterre, là, c'est les mêmes qui reine de la Jamaïque. Mais la Jamaïque, c'est encore un État indépendant. Donc, reine Elisabeth II a dirigé plus pays que tout le monde net sous la terre. OK. Donc, on continue avec précision. Il était important pour me faire précision. Ça y est. OK. Donc, là, c'est toujours
et Justin Trudeau donc nous est là et qu'a fait diplomatie qu'on dit mon yo qu'a recevoir l'autre premier ministre là c'est Kouassi la recevoir donc c'est dans ce cadre sommet Union européenne que gagne avec pays Canada alors Union européenne qui s'est allié Canada. OK. Alors là parler de Canada l'important pour nous préciser pour vous on va parler là tout donc gros tonton puissance économique là lié avec les États-Unis. Parce qu'on va le paquet enchevritement gain gros paquet alliance qui gagne qui fait Canada bénéficier en pile le États-Unis alors États-Unis bénéficier en pile le lito. Mais généralement Canada a un gros marché intérieur là. Ça dit c'est États-Unis qui gagne gros tonton marché intérieur là. Ça dit États-Unis sont gros tonton client lié pour le Canada et le Canada sont gros tonton producteur lié dans paquet de domaine. Alors on a connait Canada fait en pile gaz. Canada fait en pile pétrole. Alors pas tellement gagne tout besoin ça yo parce que il y a quelques autres zones li gagne pile vie lac vie de l'eau vie rivière et ben pour faire énergie hydroélectrique. Donc Canada son pays lui-même, il pas besoin énergie dans même monde. Et même vieux bois, il y a braché dans rage yo, vieux bois ça yo va le vendre yo pour faire comme tout dans pays Canada. OK, ça est parti énergie ya. Canada son grande puissance énergétique, son gros tonton producteur d'énergie. Canada, nous va le tout avec gagne qualité ça, yo bon en pile. Yo moins que 38 millions en fait. Mais yo produit manger et yo produit en pile manger. Canada c'est un des plus gros producteurs manger gain sous la terre. Canada tout fait en pile viande bovine, en pile viande bœuf. Canada tout fait en pile lait. Il est canadien li réputé en pile pour raison très simple, ou d'accord avec moi. L'ou boue lait qui sorti Canada avec qui sorti Haïti ou pi fait mes jours dans pas Canada que dans pas Haïti a. Parce qu'on connaît Canada a respecté plus règles ou qu'on est Canada a respecté plus règles pour le capable fait l'aide par là. Canada son gros tonton producteur céréal. En plus de l'autre richesse que bon Dieu bail Canada, l'ogain presque 10 millions de kilomètres carrés, bon Dieu a mis bail là dedans pour passer le bacaré de vide. C'est vrai ouais, c'est neige ouais. Mais l'on font ti gratter neige là même gampil ti bail là dedans. Nous n'avons pas le pétrole, gaz, mais nous avons déposé ça. Canada a des diamants, Canada a des nickel, Canada a des aluminium. Et même zone où il n'y a pas grand pile bagaille pour faire manger, yo, mais zone ça yo zamam, région ça yo, yo pas tellement loin mine. Donc Canada son pays, m'ta ka di, en dans le vrai sens du terme, bon Dieu béni Canada. Bon Dieu béni Canada. Alors langue officielle yo c'est anglais et français. Français a qui parle plus dans zone Québec. L'autre province yo anglais a extrêmement majoritaire. Alors premier ministre canadien yo, alors et Stephen Harper m'konn la m'a monter dans français a, mais généralement premier ministre canadien moi yo techniquement très bilingue. Alors pour grande ville Canada en pile là nous konn tande yo, nous tande Toronto. Oui, Toronto nous tande souvent, nous tande Montréal souvent, nous tande Vancouver, Ottawa. Laval côté gon paquet haïtien qui a étudié là. OK, alors gon gros université qui là. Donc, en parlant du Canada, Canada son gros tonton économie. Au-delà de ressources ça on parler nous hein, et ben Canada gen un paquet gros tonton compagnie qui au même c'est des mastodontes yo à l'échelle mondiale dans domaine paywa. Ça dit c'est gros tonton et puis gen là d'ailleurs ou pas forcément te connais si au canadien. Tellement économie Canada avec économie les États-Unis liés ou pas forcément connaît si c'est pour Canada ou bien c'est pour États-Unis liés ça passe Canada dans un accord avec les États-Unis que aurait les NAFTA que alors accorder les NAFTA qu'on y a accorder les Canada États-Unis Mexique. NAFTA c'est North American Free Trade Agreement, c'est-à-dire accord de libre-échange nord-américain qui te réunit le Canada, les États-Unis, le gros morceau et le Mexique. Alors le Mexique plus gros morceau que Canada, vous voulez nous comprendre ça, Mexique gagne plus sur la en termes de territoire, non, Mexique gagne plus monde de loin que Canada. Et bien ça crie, gagne le produit où tu as besoin de faire. Si bah elle pas tellement compliqué, ou quand tu fais le Mexique, mais pas oublier niveau d'éducation gagne Canada, c'est pas niveau d'éducation que gagne au Mexique. Au monde qui habite Mexique, on garde ça. OK. Mais ça qui passé, donc bon paquet entreprise notamment dans le domaine automobile, notamment dans le domaine aviation, notamment dans le domaine construction, mais qui a visé marché américain. Comme yon connaît espace de libre-échange,
c'est un espace qu'on peut le changer. Donc, si on va payer un et aucun tarif douanier, c'est ça qu'on zone de libre-échange, eh bien, ils ont préféré à l'installer au Canada. Alors, pendant que j'y ai, bon, tout fait, lui. Plusieurs fois, je me demande, moi. Alors, dans le niveau d'intégration économique, il y a plusieurs niveaux. Eh bien, zone de libre-échange, là, c'est ça qui est plus bas, c'est ça qui est plus souple, là. C'est ça qui est plus bas, c'est ça qui est plus souple. Il dit premier niveau, là, première étape, là. C'est-à-dire, qui s'allie, ou permettre que si produit a fabriqué, costume ça, li fabriqué Canada, eh bien, le c'est pour l'IVA ici fabriqué ou bien pour n'importe où il a fabriqué. Si vous avez un États-Unis qui a acheté pour la vendre, eh bien, pas de droit de douane dans la frontière là qui a appliqué. Ça fait qui ça? Pas oublier, si costume ça tape $2,550, l'homme était droit de douane dans sous lit, costume n'a qu'à arriver $700. Coup de revient, entre vous qui va le vendre, il faut le faire venir, ça mette $850. Est-ce que nous voyons cela? Alors que les pagains droit de douane, non? Et bon, retirer comme l'État, comme ça. Eh bien, costume nan, donc vini a investi sur $750. Donc, les loyers, même si c'est $100, il a fait $650 au lieu que le vendre $850. Eh bien, il y a un paquet de monde qui est capable de sortir de l'autre côté. Qui dit, yo, bon, garder qui côté qui a plus avantage, soit dans la loi travail, yo. Soit dans la culture travail yo gagné, soit dans le tarif qu'on va appliquer pour m'installer business moi là, pour me viser marché ça yo. Pas oublier, sous toute la ternette, États-Unis c'est plus gros marché gagné. C'est plus gros marché gagné, côté gagné plus consommateur pour paquet de produits. Et bien, n'est-ce qui Coréen, n'est-ce qui Japonais, n'est-ce qui Mbakone, n'importe côté, et bien, décide de venir là. De venir mettre entreprise là. Japonais yo, mette en pile compagnie machine là. Canadiens yo a pas accueilli tout compagnie machine de Corée du Sud. Alors on parle de machine voiture nous on est yo mais machine aussi tout donc l'autre tout qui sont en Europe l'autre côté a bien intérêt vin Canada. Et puis kou yo visé marché États-Unis hein, pas oublier c'est 330 millions de consommateurs. Le Canada pas forcément pour le Canada. Le Canada ne représente pas forcément grand-chose puisque c'est environ alors c'est moins de 40 millions de personnes. C'est-à-dire c'est moins que la Californie. C'est ça veut dire oui. Californie gagne plus monde que Canada. C'est ça veut dire. Donc, yo même yo fin visé Canada, pendant yo Canada, yo connaît, yo va ka sauver tout pile million gen au Mexique là, mais ap jwenn 10 millions clients au Mexique. Y ap jwenn 20 millions clients Canada. États-Unis dans 333 334 là, li met son 200 euros jwenn la donne. Donc ça font gros tonton bloc économique. Et ben c'est ça avantage ça que zone de libre échange là. Alors le problème ni tout, on le m'a nous un petit coup économie internationale, mais c'est avantage ça donc que zone de libre-échange là, bye. Alors, vous n'êtes qui dit mon cher, vous savez, mais j'ai au foot là, oui, ça sont l'école, oui, oui, c'est j'ai au foot lié, en même. Ok, oui, oui. Donc, le Canada, son gros gros tonton économie, un paquet de gros entreprises qui connues à travers le monde, là, c'est Citi Bank, donc Toronto Development Bank là, aux États-Unis, on va le marquer America's Most Convenient Bank, et bien pour les États-Unis, il est vrai, c'est Canada, l'Isoti, pas bien, dit nous, deux économies, très très intégrées, très très liées. Donc, Citi Bank, son compagnie, canadienne. Agence nouvelle Reuters, eh bien Reuters son compagnie tout, canadienne. Donc c'est dans le pays Canada que l'issoti. Et nous prenons un paquet de l'autre mastodonte que nous connaissons. Évidemment, nous en Haïti ou bien l'autre côté qu'on Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est un leader mondial dans la production énergie hydraulique. C'est-à-dire énergie qui fait à partir de l'eau. N'est qui gon vieille rivière là, n'est qui gagne un vieux lac, n'est qui gagne un vieux fleuve. Ou besoin fonds central électrique, eh bien oui, Hydro-Québec a bossé sous deux tiches et demi. Alors, quoi vous pourrez tout, ma précisé, c'est quoi vous pourrez tout. Voilà. Donc, Tizibek, sorti dans le pays Canada. Là, c'est Blackberry. Me fait blague là souvent. M'a salué du Vernois. Oh, monsieur, et Lensberry qui est en filo, oui. Ah, Timono Albu Gandhi, oui, oui. Lensberry qui est en Gandhi. Ah, la filo, on va dire ça. Certificat, oui, certificat. Lensberry qui est en certificat, m'a dit filo, désolé. Alors, Blackberry. Gon époque en Haïti sous bagon Blackberry ou pas la mode. De pou paret nan on ti club là nan Petionville là nan Delmar là. Et puis tout monde se dit bay bibi et mou. Et pou même ka fon rega ou pou vieux Nokia long yo botet gros fizi 12 yo. Sou fizi 12 yo. Te gon l'autre ti clairé ou te rele 8 millions. Ou bon moi 8 millions m'gen pa kon sak bibi et nan. M'a chercher comprendre. Alors moi bibi et nan son expression anglaise m'a dit mais c'est qui sak bibi et nan même pour ça tout monde ça parle anglais. Mais moun sa pa kon parle anglais parce pour ça parle anglais comme ça bibi et moi. Donne d'acheter.
c'est après qu'on l'autre qui souffle. Oh, par contre, ils sont pas gardés, l'homme dit, c'est lui, dit, par contre, dans la télévision, et bien, bah, l'homme dit, la télévision. Oh, et ça, par contre, ça, Bibi, et m'a dit, danger pour Brésil. Dis non, non, qu'on y a l'eau, Bibi, et mon nom, vous, message, bah, il m'a sur téléphone, mon nom, pas besoin de payer, dit, celle, pas prendre quoi bout. Pas mis à l'époque, dit, celle, dès qu'on touchait l'eau, vous, message. C'était avant, dit, celle, dès qu'on l'envoie 5 messages, dit, 50 SMS là, c'était avant ça. Oui, oui, donc, l'eau touche, les hommes, son goudou payé, ou bien, c'est des goudou payé. Et vraiment, donc, sous Marine Blackberry, à l'époque, tu n'es pas à la mode. Et quand je dis tu n'es pas à la mode, tu n'es pas à la mode, tu n'es pas à la mode, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de ménage, tu n'as pas de copain, tu n'as pas de copine. Point. Parce que sans Blackberry, en même, tu n'existes pas. Oui, il va y copier à copine, dans quel est passé, c'est Blackberry, il y a qu'un bal ménage là. Volume d'un beau qui était là. Et même, on n'est pas dans le travail, bon papa. L'homme finit d'acheter Blackberry, papa. Donc, elle dégoûte 1 200 $ tout plein sous lit. Oh, Dicel. M'salue ce truc là, oui, oui. Gros volume. M'sieur fait petit lit, les Lensberry. Ça qui passe dans Biwam, c'est dernier qui est Blackberry. Belize bien aimé de gagner Blackberry. Tout directeur gagne Blackberry. Grand secrétaire ou même c'est Grand Limena. Salut Catherine. Oui, modèle de Limena. Oui, oui. Grand Limena ou gagne Blackberry. Donc, monsieur gardé tout mon nom bureau gagne Blackberry. Qui ça le fait? Et bien, madame Niancet. L'Elvin, il dit, mais c'est un des noms de nous tout Gameberry. Pas nous, moi, je viens à pas de miagre de l'espèce. Moi, Lensberry, lui. Divenoir fait ça. Monsieur, il est Divenoir. Divenoir, il est petit. Il y a Lensberry. Parce que tout le monde qui travaille là, gagne Black. Le même, il n'y a pas Black là. Et bien, ils font Lens. Lens par là, c'est Lensberry. Tellement Blackberry t'a dominé marché à l'époque. Alors Blackberry c'était gros gros tonton rival iPhone. À l'époque nous on a iPhone 1, iPhone 2. Nous autres connaît l'autre iPhone 6, 7. Yo non 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 non. Blackberry pral prendre des mauvais virages, pral prendre des mauvais courbes et même Blackberry pral perdre du marché à. Et c'est Samsung, Samsung avec son géant qui sorti dans Corée du Sud qui pral take over place Blackberry. Alors marché ça son marché fortement concurrentiel, marché téléphonie mobile. Alors juste garder pi fort gros gros tonton licence yo, pi fort brevet yo, de compagnie gagne yo pas exister. Parce que justement, yo pas de prendre tournage là. C'est même bagay qui arrive avec photographie numérique. Nous tous, nous te kon Kodak. So where is Kodak? The only Kodak that we know is black. Kodak black, prisonnier de son état, et libéré par Trump de son état, et haïtien également de son état. Fak passe là. Pi gros Kodak, nous connaissons Kodak black, nous connaissons Kodak. Nous pas Kodak. Mais Kodak, c'était pas le leader mondial. Kodak disposait pratiquement d'un monopole sous marché mondial là, dans parole fait photo. Mais Kodak prend mauvais virage. Eh bien, deux compagnies ça, ou pral prend mauvais virage. Yo pa gen tan ale nan téléphone intelligent là. Ou pa wè téléphone nan kon bien intelligent ki de nèg. On est qui vient commenter non là par exemple. Moi même ba wè de ki sa misi a parle là. Ou pa wè de ki sa la parle là pour commenter la donne. Ça y dit wè ça wè les idiots utiles. C'est ce que j'appelle les idiots utiles. Donc ou est téléphone non si j'ai bien intelligent qu'elle ou pas rien mais ne se regarde le fait. Non non mais c'est bête. Si tu n'aimes pas tu ne regardes pas. Mais tu regardes et tu dis que tu n'aimes pas. Eh bien tu es attaché, tu es accro. Ah oui, ce sont les idiots utiles. On continue les amis. Eh bien Nokia et Motorola pral prend mauvais virage. Gardez plus fort brevet mon abservi yo. Plus fort patente mon abservi yo. Licence mon abservi dans téléphonie yo. Ma parle de gros compagnie iPhone, so we, la, Samsung, plus fort gros compagnie Z2 chinois. Eh bien c'est Nokia avec Motorola gagné yo mais yo pas existé encore parce que justement yo te prend un mauvais coup alors que yo te gagne monopole sous marché téléphonie mobile là pratiquement bah en Haïti les nèg la gade génératrice là le Delco ça gagne Delco qui t'a populaire Delco qui t'a dominé nèg la gade ti glacier là maintenant au Thermos 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 l'autre la gade ti bail ka bal lignal dit Coleman. Mais on d'accord avec Coleman dans ces marques là. Mais monsieur, c'est ça seulement où on est venu à Baltilimia. Donc, il est tout Coleman. Donc, même Salvin ou pas Coleman, il a tout été Coleman. Coleman n'a pas de nom générique. Et ça, on va pas prendre danger au foot là. Il y a que Mdou, idiot utile, il va aller. Il va partager ça, non, idiot utile. Et tu vois les Chili, il va partager ça, non, oui. Go, tu vois les Chili. Il va dire ce que tu vois les Chili. Go, les Kizim Bakon, non. Et bien, si t'es non, tu vois les Chili. Dès qu'elle casse comme un Chilien, go, tu dis un volume d'abord. Ok. Et bien, ça passe, les amis. Gagne donc une belle économie, une gros gros économie que entreprise canadienne yo même yo représenté et yo pral créer donc des mastodontes qui pral des leaders dans un certain nombre de domaines. Alors Blackberry perd 10 virages téléphone, Blackberry toujours est une compagnie important dans cybersécurité. Là nous pral dans CAE. CAE lui-même qui dans parole ZAM. Alors on va parler de ZAM, en pile moun quoi c'est l'on moun ralonté 65 ou M4 li fait ZAM. Si zam sa yo zam malé, zam sa yo bache. Zam sa yo moun ka fè yo la ka ou la sou gen imprimante 3D.
Non, non, pas ça, ça va pas. On va parler de bons âmes. Là, ce sont des hélicoptères de combat, des drones de combat, des avions de combat. Zam ça, les âmes qui chèrent. L'autant nous n'est font F-16 ou F-18. Zam là, c'est dans million de dollars liés. Ils font avion furtif. C'est dans parole million liés. Ils font missile Tomahawk. C'est dans parole million liés, Zam. Chaque tigre de missile, il est sous son million de dollars perdu. Donc, si missile la tombe sous, dit bon Dieu, 1 million de dollars tout yem. Un peu de respect pour les millions. Vous connaissez qui dit qu'on sort la gueule? Un peu de respect pour les millions, mon cher. Ou mourir, mais son million de dollars tout yem. Missile Tomahawk là, son million de dollars vend. Il faut avoir un peu de respect. Ouais, tout n'est pas du monsieur frigidaire. Mais on va d'accord avec frigidaire là. Donc, monsieur, dans la tête, misaïe. Donc, réfrigérateur, monsieur, tout est le frigidaire. Le frigidaire là vient passer comme un nom commun. Oui, nom commun de toutes choses qui ont glacé, tiba et moi pour moi. Voilà. Ok. Donc, c'est à eux lui-même à faire ZAM. Donc, Canada, même si vous avez un bon petit visage en souriant, mais vous êtes machin ZAM. Ça, c'est drone, nous, ouais, qui a circulé. Donc, drone, yo, généralement, il y a drone, c'est drone de combat, oui. Ah oui, l'armée, yo, il y a passé, il y a passé, il y a passé, il y a monté. Donc, tout ça, c'est canadien. Donc, c'est à eux les mêmes qui sont en défense. Évidemment, industrie, ok, au Canada. Alors, ok, au Canada, donc, c'est pas anti-industrie, petit lié tout, non. Mais là, m'a prendre dans sport, m'a pas besoin de prendre là réellement. Mais Canada n'a pas prendre des Scotia Bank. Scotia Bank là, son banque qui est à l'échelle planétaire, d'ailleurs, n'est qui en Haïti, si m'a monté qu'on vend dans la ville là où t'as prendre Scotia Bank, Scotia Bank c'est tout près bon marché tête bœuf, tout près bon marché en fer, où t'es qu'on ouais Scotia Bank. Scotia Bank là, elle quitte Haïti, est-ce que c'est pas Unibank qui a acheté actif Lio? Unibank ou Sojibank qui a acheté actif Lio en Haïti? Il y a à peine quitte Haïti, oui. Il y a moins que 5 à 6 ans depuis qu'il quitte Haïti. Donc Scotia Bank, si m'dou l'dan Haïti, ou Black Waven, son banque qui assez ou même jamais qui était City Bank qui était en Haïti. Est-ce que City Bank pas en Haïti toujours? Bah qu'on est. Mais Scotia Bank à peine quitté Haïti. C'est-à-dire moins de 5 ans. Probablement 4 ans ou 3 ans que Scotia Bank gagne depuis le quitter Haïti. Alors pile crise n'a gagné, pile manifestation, fait Scotia Bank courir vingt jours dans mauvaise zone. Yon nan succursal li yote trouvé en bas la ville. Alors Canadien, même dit Canadien, désolé. Canada gagne un gros compagnie lui-même qui sont gros compagnie qui c'est transporteur aérien. J'ai dit là les Canadiens de Montréal va jouer et eh ben les Canadiens de Montréal équipé OK préféré aller jouer. Donc un petit compagnie pa yo, alors petit compagnie a Air Canada. Air Canada c'est transporteur aérien. Alors faut faire différence là et bon ici comme c'est l'école qui gagne l'important pour nous différence là, gagne transporteur, gagne constructeur. Canada gagne tous deux. Transporteur aérien, son compagnie qui achète avion. Par exemple, li achète avion, il dit, je m'a fait vol, Saint-Domingue, Bordeaux-Prince. Alors, Santo Domingo, oui, Saint-Domingue, Bordeaux-Prince. M'a fait vol, La Havane, Santiago.